Hello! Comment tu vas? Oh, salut Tsuna, salut Alkel! Alkel, alcool. Moi j'ai envie de dire alcool hein, quand je vois ce pseudo. Du coup, bah, bienvenue, bienvenue. On va se lancer tout de suite. Hop! Non, si je mets pas la bonne scène, ça n'ira pas. Ah bah ça va, j'ai peu dormi. J'ai dormi 4 heures, c'est le bout du monde. Oui mais j'ai envie de dire alcool moi. L'alcool c'est tout ce que... qui me parle, évidemment. Je vais essayer de bien prononcer le pseudo. Pas facile pour moi. En tout cas, bienvenue, bienvenue. Bah écoute, ouais, Tsuna, comme je disais, je suis pas beaucoup dormi. Et du coup voilà. Ouais, par contre, on n'a pas la cinématique, d'accord. Est-ce que ça vaut peut-être le coup que je la mette? En fait, j'avais juste lancé le jeu une fois pour voir comment c'était, pour voir s'il fonctionnait. Je vais vous mettre la cinématique d'intro. Allez. Alors juste pour info, hein, juste avant de lancer le stream, là, comme je vous disais, j'avais lancé le jeu, voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et c'est vrai que sur ma télé, avec le mode HDR, tout Qu'est-ce qui ça, t'est arrivé? Est-ce que tu as froid? c'est quand Est-ce que même tu as vachement froid? plus beau. On doit sortir aujourd'hui. Au niveau des couleurs et tout, On va avoir ça invité change. Harley, toi et moi. Maintenant, ça reste assez joli, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était assez impressionnant. Et là, je vois vraiment la différence sur ce jeu-là, en tout cas. Regarde. Tu vas mettre ça. Ça appartenait à ma fille. Mais là, du coup, comme on est en Oh. stream et qu'on passe par le boîtier d'acquis, évidemment, on est obligé de faire des concessions Aujourd'hui, et bah, du coup, de je pas vais avoir le évoquer ton HDR, nom, fillette. ni la 4K Oui, du est-ce que la futur. déesse va me répondre? On se doute bien que c'est pas vraiment de la 4K, mais. En tout cas, les panoramas sont assez jolis du peu que j'ai vu. Hein. Normalement, c'est ta mère qui devrait être à ma place, si tu en avais une. Et tout le village serait là pour voir les matriarches faire le rituel. Mais nous, on est des parias. Et malgré tout, Ah, on petit va malin quand même celui-là. suivre la coutume. Bah, moi, tu vois, je commence Entre qu'à nous, il 14 h, n'y hein, aura le pas boulot. Hein, seulement j'aurais des pu dormir, mais sentiments j'avais envie de sexuels. jouer. Comme Ceux j'étais qui vont réveillé. être doux à la déesse. Je me suis dit, bah Ceux que voilà, leur autant lancer manger le a jeu. mangé dans leur vie rouge. À nous, il nous reste toutes les splendeurs de ce monde. Créatures d'air, d'eau, Alors n'hésitez pas à me de dire hein, terre, si au niveau du son il y a un d'air souci ou et quoi que ce soit. d'habitat. Ah bah j'espère que je vais kiffer, ouais. J'espère. Ce n'est pas facile de chasser un animal, et encore moins de chasser une machine. Il faut rester humble Ok, c'est cool. et respecter leur très grande force. Je t'enseignerai tout ça un jour. Donc là, c'est vraiment une découverte. Hein. J'ai jamais joué au jeu. J'ai juste, je vous dis, j'ai lancé le jeu pour voir à quoi ça ressemblait. Je fais, ah ouais, putain, c'est vachement beau. Et j'ai pris les contrôles. Allez, 5 secondes. Ah, t'avais commandé la version collector Tsuna pour Xenoblade. Alors moi, j'ai pris la version simple. Hein. Version simple. La haute Parce que la version matriarche t'a collector, en resservi fait, un elle est plat. partie Qu'est-ce qu'elle est venue faire là? assez Est-ce qu'elle est vite. venue empêcher les deux rouges? Et puis du coup, bah maintenant, ils la vendent à des prix un peu dégueulasses. Du coup, la version simple est déjà partie hein, de Amazon. Je pense que je l'aurai demain. Hein. Clairement. Non, 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 relève-toi vite. Il est déjà presque l'heure. Bah je le ferai en stream, hein, Et bien Alkel. sûr, et tu peux m'adresser la parole. Ouais, Vous Alkel êtes qui est là passé pour sur tuer ou YouTube. garder? Est-ce que ça ne fait pas déjà 6 mois que nous t'avons confié l'enfant? Mais on est des Alors parias. YouTube, en fait, Toi, c'est par choix juste pour et expliquer à moi, Alkel, c'est eh bien, en fait c'est un petit peu la solution je suis une haute solution de secours matriarche. parce que je sais Je que ferai qui bon me semble.
Il y a pas mal de monde qui galère avec Twitch, avec le bitrate en fait. Souvent sur Twitch, les gens ont des soucis de buffer qu'ils n'ont pas en général sur YouTube. Je dis bien en général, ça dépend des connexions, ça dépend des gens. Et du coup, bah, je sais que par exemple, Tsuna, il vient regarder sur YouTube. Parce que c'est plus simple pour lui. Donc ouais, Xenoblade 2, je le ferai en stream. Hein. Alors si je l'ai demain, assez tôt, je le ferai demain. Mais sinon, je le ferai ce week-end. Je pense que je ferai une grosse session ce week-end. Stupide vieille femme, tu parles de cette malédiction ? Qu'est-ce qu'elle t'a révélé à propos de sa naissance, Paria ? Allez, parle ! Je me suis contenté de suivre vos ordres. On t'a demandé de l'élever, mais on n'a jamais parlé d'affection. Ça suffit. Et toi, bénir son nom comme si c'était une... Je connais mon devoir envers elle. Ah, y a baston de vieille, hein. Je suis là. Et où que tu choisisses d'aller, je viendrai avec toi. Bah moi, en fait, si tu veux, je fais pas trop de concessions sur le bitrate. Je pense que je suis à 4000 en bitrate. 4 ou 5000, je ne sais plus. Par contre, maintenant, comme je suis Twitch machin, là, Twitch, comment ils appellent ça, pas, ouais, si, c'est affiliate. Non, pas affiliate. Le nouveau statut Twitch, là, permet d'avoir des subs, mais pas trop. Donc en gros, hein, pour tout dire, je crois que j'ai un sub, c'est Neuro. Et voilà. Alors du coup, tac. Incroyable la magie du direct. On voit ma sale gueule. Avec mon beau t-shirt turquoise. Hein. Beau t-shirt Okami, mais je crois qu'on voit même pas le motif. Pas grave. Oui, c'est ça, c'est affiliate. Enfin, je sais jamais, j'ai toujours du mal avec leur truc. Mais ouais, voilà. Donc, n'hésitez pas à sub, hein, je le rappelle. Non, évidemment. On peut gérer la qualité, c'est encore pareil. Ça dépend des fois. En fait, ça dépend. Si, par exemple, tu joues à un jeu où il y a énormément de monde qui joue. En général, tu peux pas changer la qualité. En fait, je pense qu'il y a un certain nombre de créneaux qui sont réservés pour tel ou tel jeu. Et par exemple, si t'es le streamer français le plus vu sur un jeu, les gens en général ils peuvent changer la qualité. Mais bon, moi ça me dérange pas parce qu'en général je joue à des jeux dont tout le monde se fout. Donc en général, je suis le seul streamer français à les faire. Il est pas turquoise. Ah, je sais pas, Et quoi, il est bleu? Le ciel? Bleu cyan? Donc ouais, c'est assez... tu sais, c'est Twitch, hein, c'est assez random le choix de qualité. Ils appellent ça déjà? Oh, je sais plus, j'ai oublié le nom. Mais ouais. Ouais, mais les partenaires, c'est encore différent. Les partenaires, ils ont des... Ils ont accès à tout, c'est comme les emotes Twitch. Moi, en tant que Twitch affilié, je peux avoir des emotes, mais je peux en avoir qu'une. Voilà, je peux en avoir trois, mais une seule, tu sais, au montant de base, quoi, du sub. Et moi, en fait, pour qu'il me valide mon emote, ça prend 2 semaines, tu vois. Alors qu'un mec partenaire, hop, il poste son emote direct, il y a un mec qui va la valider. C'est assez troublant, mais bon. Après, je me plains pas. Voilà quoi. C'est cool d'avoir ce statut-là. Venez avec moi. Sachant que depuis le début d'année, en un an de streaming, si j'ai gagné 14 euros, je crois, c'est un truc comme ça. Et je crois que pour toucher de l'argent de Twitch, il faut avoir un minimum de 100 euros. Ou 100 dollars, je sais pas pourquoi, je crois que 100 dollars. Donc autant te dire que j'aurai mes 100 dollars dans 10 ans quoi.
Oh, 50 followers, ça va. Non, je crois que ça a changé, hein. C'était 50 followers, mais et maintenant, ça, je crois que ça a évolué, hein. Bah, dis-toi que moi, je stream avant même que Twitch ne s'appelle Twitch. Donc, voilà, c'est pour te dire le succès du gars. Ouais, l'argent est bloqué. L'argent est bloqué tant que t'as pas 100$ minimum, tu peux pas réclamer ton argent. Il ne peut pas m'entendre. Mais on dirait une sorte de grotte. Ah, ok, ouais, c'est resté à 50. Et moi, tu vois, je crois que je suis à 300 followers, un truc comme ça. Et bon, je stream depuis longtemps. Après, je stream pas régulièrement. Contrairement à Noro qui lui stream tous les jours et c'est chouette. Ah, attends, je peux aller par là, mais est-ce que je pourrais pas aller par là? Par contre, ouais, les couleurs, ça n'a rien à voir avec le mode HDR. Oh, on pouvait passer par là, peut-être. Alors, ouais, je sais pas trop. Ça, c'est pour sauter. Des rats, c'est cool. Est-ce qu'on peut tuer les rats? Non. On peut pas tuer les rats. On n'est pas dans Baldur's Gate. Bah, moi en fait, si tu veux, le streaming c'est un truc qui m'a toujours plu. Parce que bah, moi je suis fan de jeux vidéo, j'ai toujours aimé parler de jeux vidéo. Et voilà. Après, je dis pas que je suis forcément quelqu'un d'intéressant à écouter. Mais voilà, j'aime bien ça. Et du coup, bah, j'ai beaucoup streamé à une époque. Là, maintenant, je stream moins. Parce que mon boulot me permet pas trop de streamer comme je travaille l'après-midi et que les horaires de stream en général c'est l'après-midi. Le matin les geeks ils dorment. Hein. Donc voilà. En tout cas c'est joli hein, quand même. Comme je disais tout à l'heure, les couleurs wow, en HDR c'est beaucoup plus beau, mais là ça reste quand même. Ça reste quand même assez chouette. Après, fut un temps où je faisais des émissions hein, sur mes streams. Mais j'ai plus le temps de préparer tout ça, j'aimerais, mais. Je faisais des émissions avec 10 viewers, mais c'était pas grave. Hein. Je prenais une semaine pour préparer mon émission pour 10 viewers, mais. Donc voilà. Ah bah très bien. Non, mais après, c'est ça. Hein, c'est. Il y a deux choses. Le streamer, et puis la qualité de ce que tu peux faire. C'est-à-dire que si t'as pas une connexion suffisante, déjà c'est compliqué d'avoir des viewers, parce que maintenant aujourd'hui, les viewers sont un peu exigeants au niveau de la qualité, que ce soit visuel ou sonore. Bon, maintenant je suis passé en fibre, donc j'ai plus de soucis là, mais j'ai longtemps streamé avec un ADSL. Après j'ai fait un petit peu de stream en 4G. La 4G c'est pas mal hein, si t'as pas d'autres alternatives. Et puis bah maintenant la fibre, bon, du coup je me. Voilà. J'ai plus trop de concessions au niveau qualité visuelle. Par contre, je reste en 720p. Simplement parce que mon PC, au-delà, je pense qu'il aura un peu de mal. 120p, 30 fps. Alors le 30 fps, pas vraiment par rapport au PC, c'est par rapport au boîtier d'acquisition. Ok, bah bonne chance, du coup Tsuna, bon courage, surtout. Merde, comme on dit, par chez moi. Bah les émissions, hein, je peux te dire, c'est compliqué. Hein. Parce que les émissions, quand t'as pas de public, c'est dur de tenir, quoi. Alors après, en plus, je faisais des émissions, mais sur des sujets qui parlent pas forcément beaucoup à tout le monde. Genre, je faisais des émissions sur le shoot'em up et un petit peu sur les RPG. Beaucoup moins sur les RPG parce que c'est un sujet que je maîtrisais moins. Même si j'adore ça. Et en fait, c'était des émissions que j'aimais bien faire à deux. Ce qui est bien pour une émission, c'est d'avoir un duo, au moins un duo. Pour éviter les blancs, quoi. Pour essayer d'avoir toujours quelqu'un avec qui. Et qui parlait, et puis quelqu'un qui voilà, qui peut avoir de la répartie sur ce que tu vas dire. Et avoir un petit débat, c'est toujours intéressant. D'avoir des points de vue différents. Mais ouais, les émissions, c'est compliqué.
Là, honnêtement, je sais même plus à combien je suis en bitrate. Ah oui, non, mais voilà, si t'as moyen d'avoir un duo. Moi, je sais que pour les shoot'em up, bon, j'avais un bon pote, voilà, joueur de shoot'em up, que je connais que d'internet, mais avec qui on s'entend très bien et avec qui on faisait des émissions. Du coup, c'était plutôt cool parce que moi, je faisais la partie plutôt découverte du jeu et lui, comme il était très calé, en général, il arrivait toujours à me sortir un one credit des familles. Donc c'était bien, ça donnait un petit côté un peu plus expert à l'émission. Et c'était cool. Et voilà. Et salut à toi Reflex. Reflex, je vais rester sur Reflex. Hein. Reflex 36-33, je suis pas sûr que ce soit... ça soit obligatoire. Mais ouais. Oui, c'est pour ça que je te parlais de shoot'em up, parce que moi c'est un genre que j'aime beaucoup, donc. Donc voilà. Alors attendez, il y a une icône qui m'indique d'aller là-bas. Donc je vais totalement de l'autre côté, on est d'accord? C'est le principe de ce genre de jeu. En général. Caché là. On peut pas courir. Ah si, on peut courir en appuyant sur le stick. Toujours des rats, hein. C'est si rigolo de jouer un enfant là, ce début de jeu. Oh non, ça va, tu t'en sortais pas trop mal. Hein. Oh, j'ai vu bien pire. Ah, merci pour le follow. Alors par contre, je peux pas lire d'ici, donc je vais regarder là. Eh ben, ah d'accord. Ça bug. Streamlabs et bug. Ah, c'est Reflex qui m'a follow. Eh, hey, je vois qu'Alkel m'a follow. Mais ça devait être hors stream parce que j'ai pas eu de. Ah, bah merci à vous en tout cas. Ah, tourner le verrou holographique en sens anti-horaire. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? D'accord. Ça a changé de couleur. Eh bah super. Qu'est-ce que je te lise, moi, je sais pas. Très bien. Voilà, bon, je discute, mais du coup j'ai pas trop suivi. On est retrouvé dans une grotte, voilà. Après avoir été chassé par les autres habitants du village parce qu'on est des parias ou je ne sais quoi. Pourquoi? On sait pas non plus. Apparemment on était recueilli par un vieux grigou. Qui m'a l'air fort gentil mais qui est pas très aimé des autres apparemment. La porte a changé de couleur. Ah, la porte a changé de couleur. Bah ouais. Bah ouvre là. Voilà. Bah du coup je vois plus le chat, oh, c'est compliqué. Tac. C'est une découverte totale, hein, Reflex. Une découverte vraiment du début. En fait, j'ai profité du Black Friday, là, il était à 30 balles sur la Fnac. Alors, il était aussi à 30 balles sur le PSN, mais bon, j'aime pas trop les trucs en démat et tout ça. Bah, des fois, ça m'arrive d'en acheter, mais... Je peux avoir au même prix la version boîte, je préfère. Et donc, voilà, je me suis pris ça et je me suis pris... Alors, je sais pas si vous connaissez le jeu Prey. Un jeu auquel je me suis pas du tout intéressé, mais qui était à 10 balles. Les prix. Et j'avais beaucoup aimé le précédent jeu Prey qui était sorti sur Xbox 360 il y a un paquet d'années. Et voilà. Mais alors par contre, apparemment, ça n'a rien à voir avec le premier jeu Prey. Ça a le même titre, mais ça n'a rien à voir. Donc, je verrai. Comme celui que j'ai trouvé. Comment on fait pour prendre? Je peux pas ramasser? Comment ça marche? Je fais. Ah, R3. Okay. Tu crois que c'est ce que je voulais? Tu peux pas faire mieux que ça. Il est
Jack, le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous. Ah, comment je fais pour avoir une petite déco sur ma webcam? En fait, pour tout expliquer, là en fait je passe via un boîtier d'acquisition. Fais-moi voir avant. Et en fait qui envoie sur le PC. Un petit peu comme ça fait un peu comme si je streamais sur un jeu PC quoi finalement. Donc il faut un boîtier d'acquisition, c'est un peu compliqué. Mais... voilà. En gros je joue sur ma télé, mais en même temps l'image est sur le PC. Joyeux anniversaire Isaac. Hey salut Cal. Comment vas-tu? Ouais, ça va, ça va. La fatigue, mais ça va. Et puis on découvre ce jeu. Donc voilà, ça devrait être bien. Alors, pour tout vous dire, hein, je pense que là, dans les prochains jours, il y aura ce jeu-là. Mais il y aura aussi et surtout Xenoblade 2. Voilà. Que j'attends. Enfin, j'attends, voilà, j'ai toujours beaucoup aimé Xenoblade. Donc voilà, on verra. Qui va donner celui-là. Alors les retours sont un petit peu mitigés. Il y en a qui adorent apparemment, il y en a qui sont un petit peu plus indécis, on va dire ça comme ça. Bon bah, bonne année mon cher journal. Si je te dis qu'on a fêté ça hier soir, tu me crois? Et si, plus ou moins. La directrice a demandé à tout le monde de la rejoindre dans la salle commune. Je sais pas où elle a trouvé les petits chapeaux. C'est assez flippant. On était là à regarder l'horloge approcher de minuit, et je me disais, est-ce que je suis le seul à saisir le côté symbolique de tout ça? Ça aurait pu être sympa si Skylar s'était encore saoulé, mais faut croire que je ne lui ai pas fait forte impression la première fois. Ils étaient alignés dans la salle commune. Comme du bétail dans un abattoir, mais ils se souriaient tous. Jana distribuait des médicaments. Comme si vivre était une souffrance à apaiser. Mais... ah, très bien, Cal. Bien, bonjour à tes collègues. Je ne veux pas m'évaporer. Surtout à tes collègues féminines, s'il y en a. Je leur rends hommage. Un point d'exclamation même. Ok, réflexe. Bah, ouais. On va voir ça. Bah, tant pis. Alors le jeu il a eu un petit peu la malchance de sortir en même temps que Zelda Breath of the Wild, et comme j'ai acheté la Switch Day One tel un nain de batté. Ouais, ça y est, je peux. C'est bon, j'ai marqué le rat, on le retrouvera en toutes circonstances. Ouais, donc je disais, comme j'avais acheté la Switch Day One, eh bien écoute, en fait j'ai plutôt préféré faire Zelda forcément. Non pas que ce jeu là ne m'intéressait pas, hein, c'est juste que bah voilà. Du coup, j'ai pas voulu faire les deux en même temps parce que ça aurait été beaucoup trop compliqué. Ah, vous allez me dire, en même temps, là, tu vas faire ce jeu-là et Xenoblade en même temps. C'est pas faux. Mais je pense, par contre, honnêtement, hein, je pense que je vais plutôt m'orienter sur Xenoblade, même si je ferai celui-ci de temps en temps aussi. Donc, tout le monde est mort hein, dans cet endroit, je sais pas au fond où on est. Ça, si c'était pas pour la postérité, alors la postérité, elle peut aller se faire. D'accord, elle peut aller se faire foutre, la postérité, on a compris. On a beaucoup de choses à scanner. C'est un petit peu Metroid Prime finalement. D'accord. Eh bien, sale histoire. Hein.
Ah, la Switch mérite qu'on l'achète Day One. Bah ouais, bref, après. Ça dépend des points de vue, mais moi en tout cas, j'ai pas regretté. J'ai pas arrêté, mais. Rust m'a retrouvé. Je suis là. J'arrive. J'arrive. Louis, sois là toute manière. Allez, viens, attrape-moi la main. Tu n'as rien à faire là en bas. Allez. On n'est pas autorisé à être là, Aloy. Mais je suis tombée. Ça remonte à l'âge de métal. Qu'est-ce que c'est sur ta tête? Rien du tout. Où l'as-tu trouvé? En bas? Non. Donne-le-moi. Non. Aloy, ces objets peuvent être dangereux. Non! Très bien. Puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener, tu vas devoir apprendre les techniques de survie. Allez, suis-moi. On rentre. À partir on va apprendre les techniques de survie. La chasse, tout ça. La cueillette des petites baies. Bah mince, elles peuvent pas m'entendre les collègues, hein. C'est dommage. Moi, tu sais que je stream uniquement pour la gloire et pour les jolies filles. Hein. Tiens, prends ton arc. Ouais, il a fait un mini arc pour elle. Wow. Mon arc. Et arrête de parler avec ce machin là. On descend dans la vallée maintenant. Allez, viens. Les terres sauvages sont dangereuses, Aloy. Je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes. Je sais. Bon, comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins. Je vais te montrer comment le remplir. Bah oui, cette plante là, la base. C'est une plumetille. Cueille-en les baies et mets-les dans ton sac. Hop. Allez. Ah, je le savais. Voilà, on va ramasser des baies. Dépêche-toi. Viens cueillir. Sur triangle pour ramasser. Ouais, mais elles sont où les baies? Ah là. C'est bon. Bien. Maintenant, mange-les. Comme ça. C'est vrai. T'as un goût de chasse. Elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales dans ton sac. Bah oui, évidemment. Ça, c'est beau, hein. Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la Toute-Mer. L'étreinte? La tribu des Nora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Vas-y, je vais chercher des fleurs. Plus bas, en suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leur pouvoir. Mais je serai à tes côtés. D'accord, il y a des machines dangereuses. Ok. Aloy, voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Oui, allons dans les hautes herbes. Tel Ezio dans Assassin's Creed. Non, ne te montre pas. Les bébés. Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas. Si tu veux survivre dans les terres sauvages, je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elles passent. Reste accroupi et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes.
par ici. Bah d'accord, on allait dans l'autre direction et puis d'un coup non. Alors avance accroupi plutôt que debout. Sois patient. C'était le dernier. On continue. Ok. Très bien. On va où comme ça? Ah bah on s'en fout maintenant, on peut se lever. Tu as réussi. Okay. Un vrai fantôme. Ouhou, je suis un vrai fantôme. Le son de réserve. Vous me voyez plus. Oh mince, j'ai appuyé. Ah, quoi? Reprendre. J'ai appuyé sur un bouton. Ça a stoppé la cinématique. Ah, y'a un mec, c'est un chimpanzé. C'est qui? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Regarde, il nous sourit. Thèbes! Retourne à ta place! Thèbes! Où tu es? Ignore-le. On est des parias, et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Hey, c'est lui les anges, j'avais même pas vu arriver. Comment tu vas? Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi. Et les anges, tu es encore réveillé bientôt. Ça ne te ressemble pas. Waouh, mais regardez toutes ces créatures. Oh. Hop. Waouh, comment on démonte les arbres. Très bien. Ça va, je suis fatigué, mais ça va. Là, tu les vois? Ce sont des galopeurs. Ah, oui. Ah, c'est pas les mêmes que les autres. Pour te montrer que certaines machines sont heureuses et décampent si elles te repèrent, il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas. On les rattrapera plus bas dans la vallée, tu verras. Bon, ramassons des choses. Ramasse un petit caillou. Je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Quoi? Fais ce que je te dis, Aloy. Et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. J'ai des petits cailloux, tu vas bien. Suis-moi. Attends-moi. Ouais, c'est quoi le vieux bruit là, à l'extérieur? J'espère que ça s'entend pas sur le stream. Un vieux bruit est dehors. Ouais, je sens qu'ils vont encore faire des travaux dans ma rue. Oh mais il est parti loin lui. Oui bah j'arrive. J'ai plein de petits cailloux. Et j'ai tout ramassé. Voilà le trou. Je fais le 100%. Ok. On va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si? Non, mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'il reste là, il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir? Mais comment? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Ah merde, mais... Ah, fallait me maintenir. Lance une pierre vers moi. Tiens, je te jette un caillou. Incroyable, il est trop fort. Voilà. Bien, il n'y a plus de danger. Comment elle court? Regardez comment elle court dans les herbes. Oh, les herbes elles sont trop hautes, tu les ai dans les yeux. Ah. Je t'apprête à faire des flèches.
Très bien. Prends tout. Bien. À présent, va me chercher des branches de canne de rivage là-bas. Ne t'inquiète pas, je vais chercher ça. Hop. Petit caillou. Les branches formeront la tige des flèches. Et les éclats de métal, la pointe. Laisse-moi tranquille, je ramasse des fleurs et des cailloux. Alors, L1. Sélectionner et maintenir X. Bien. Bah, ça va, c'est facile. Jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Ouais, ça y est, j'ai l'arc. Allons essayer ces flèches. Suis-moi. Oh mais moi je veux foncer tête baissée. Moi je suis un bourrin, j'ai la stratégie. Merde. Reste accroupi dans l'herbe et pas un bruit. Puissons-nous dans l'herbe. Il est temps d'abattre ta première proie. Ouais non mais j'étais dans l'herbe et maintenant je suis plus dans l'herbe. Un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut... Je joue en normal, oui, tout à fait. Ne fais pas attention. Tu dois étudier ta proie. Son pelage. Car je suis un mec normal qui joue à des jeux en normal. Comme son et vrai. Parce que c'est normal. Tu voilà. En vois l'autre. Canon le galopeur. C'est bon, marquons la cible. Tac. La bonbonne sur son dos. C'est un point faible? C'est ça. Comment tu as su? Cet appareil, il me l'a montré. Ah, je fais quoi? Je le tue? Oui, oui, oui. Ah, je suis une enfant, mais je tue des monstres. Et ouais. Qu'est-ce que vous allez faire contre ça? Tu t'es bien débrouillé. Oui, je suis champion. Rentrons à la maison, on reprendra demain. Ah bon? On tue pas l'autre? Le garçon, celui qui courait sur le sentier. Suis-moi, Aloy, vite! J'ai trop petites jambes! Attends-moi! Y'a fond, je sprint, j'ai plus d'endurance! Il s'ajoute du tam-tam dans la BO du jeu. Ou du djembé ou je ne sais quoi. J'y connais rien. Ouais mais moi je suis un champion des FPS console. Évidemment. Ah visée gyroscopique, ouais c'est gentil mais... Il y a ça sur Splatoon aussi. Hein. Splatoon c'est pas mal à ce niveau-là. Et si jamais je tire, ça pourrait les faire paniquer et elles finiraient par le piétiner. Oh. Mais j'arrive à voir le chemin qu'elles vont prendre. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas le cas, je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. Ah, Michael, spécialiste en percussion. Qu'est-ce que je dois faire, hein? Savoir à quel moment avancer sans risque? Scanner le veilleur à l'aide du focus pour identifier sa trajectoire. Ah voilà. Ouais, et donc? Ah oui, donc il va passer par là, c'est ça? Faut que j'avance lentement sans faire de bruit. Et que... Il va se retourner. Non?
Je comprends rien. C'est quoi cette trajectoire nulle? Un couloir? C'est quoi? Ok. Faut que j'aille sauver un mec, mais je suis même pas si. Je m'en fous en fait. C'est assez perturbant ce. Bon. Eux là ils bougent pas. Ah, d'accord. Il bouge pas, on s'en fout. Merde, y'a l'autre là-bas, je l'avais pas vu. Vite, 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 vite. C'est bon, passe. Easy. Là, ici, y'a de l'eau. Alors, l'eau, c'est compliqué. Regardez, y'a une plante là, je vais la ramasser. Hop, voilà. Alors, eux, ils s'en foutent. Ah, y'a lui là-bas. Il faut que je voie leur trajectoire. T'en fais pas, Aloy. C'est bizarre comme prénom, Aloy. Non ? Boss ? Est-ce que c'est un prénom courant dans un pays que je ne connais pas ? J'ai jamais entendu parler d'une fille qui s'appelait, qui s'appellerait Aloy. Peut-être que grâce à ce jeu, ce prénom va devenir célèbre. Oh mais l'aisance qui est une championne de Call of Duty aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle triche. Le voilà. Ah oui, le mec il est là. Là je fais quoi? Je vais lui parler? Ouais. Hé hey mec, qu'est-ce qui t'arrive? T'es cassé la jambe ou quoi? Hey, allez. Mais comment? Chut. Hey, il fait pas le fou. Ah ouais, maintenant faut se barrer ici. Oh là. Eh, je suis une championne, je crois. Non, R1, pas L1. Ah non, mais il fait des ronds lui. Laisse tomber, tu peux pas comprendre. Mais pourquoi il s'arrête? J'aurais pu y aller là. Je sais pas combien de temps il va s'arrêter, et il reprend. Ouah, le mec il dit que c'est inférieur. Attention moi. D'ailleurs, Call of Duty, je pense que tous les championnats ils se font sur console, non? Moi ouais, j'ai toujours vu les mecs sur Call of Duty en championnat et tout, c'est des mecs console, hein, Call of Duty. Après, il y a d'autres jeux, évidemment, qui jouent clavier-souris, mais pour celui-là. Voilà. Attendez, que la toute mère vous bénisse. Ah mais alors, oui, si les mecs, forcément ils gagneraient. Mais elle m'a sauvé. Ça veut pas forcément dire que les joueurs console sont moins forts. Ils ont des réflexes, ils ont peut-être autant de réflexes, voire plus de réflexes. Mais tu peux pas comparer. Ils ont pas le même matériel. Elle n'a même pas de mère. Bah et alors, j'ai pas de mère, et alors, c'est quoi le problème? Au cœur de la mer. Je vais te fourrer ta lance dans ton fion, toi, tu vas voir. tu vas l'appeler ta mère. Je te le dis, moi. Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler.
il a transgressé la loi. Oh putain, ils sont en train de faire je sais pas quoi, de couper des arbres devant chez moi. Désolé, hein, s'il y a du bruit. Je connais le chemin. Genre, il doit y avoir deux buissons dans le quartier. Ils choisissent aujourd'hui pour les... Stop ne dit plus rien. Stop ne dit plus rien. T'as rien à faire ici, la sans-mère. Ouah, il m'a jeté des cailloux, l'autre abruti, là. Vas-y, je lui casse sa gueule, à lui. Ouah, interception de cailloux. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, viens, j'ai des flèches, moi. Les embranchements représentent un choix émotionnel. C'est à vous de décider de quelle manière Aloy va exprimer sa personnalité. Si vous choisissez le point, Aloy affrontera la situation de façon abrupte. Avec le cerveau, Aloy tentera une approche moins frontale en faisant preuve de sagacité. Ah, mais j'ai pas le temps. Et le troisième, bah, c'est la bonté. Alors moi, ce que je vais faire, clairement... Ah là, il y a débat. Moi personnellement, je suis un joueur principalement console. Mais par contre, je reconnais que pour les FPS, c'est plus simple. Même plus rapide, enfin voilà, c'est mieux. Au clavier souris, mais qui n'empêche pas de m'amuser avec une manette et... enfin voilà. C'est pas parce que tu joues avec une manette que c'est plus lent que t'as moins de skill. Le skill, c'est pas forcément que de la vitesse, quoi. Matériel qui fait la différence, donc... Allez, je vise la tête. Allez, je vise la tête parce que je suis un rebelle. Bim. Quoi? Tu saignes? Attends que je regarde. Bon, je m'en occupe. Bouge pas. Pourquoi? Mais vous battez pas. Non mais je comprends ce que veut dire Alkel, en plus je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. C'est vraiment pas le moment. C'est-à-dire que de toute façon, t'auras beau avoir n'importe quelle manette, le clavier souris sera plus rapide. Par contre, en matière de skill, ça nécessite peut-être plus de skill d'avoir de jouer à la manette. Mais, enfin voilà, c'est différent. Tu peux pas comparer les deux. Donc effectivement, il n'y a pas de compétition où il y a des mecs qui jouent à la manette et d'autres qui jouent au clavier souris. C'est assez étrange d'ailleurs, parce que quand on y réfléchit, par exemple, pour les jeux de baston, il y a des gens qui jouent à manette, puis t'as des gens qui jouent au stick, t'as des gens qui jouent avec les sticks hitbox. T'as même qui joue au clavier, enfin, un peu de tout. Mais bon, c'est différent parce que bah, c'est des inputs assez. C'est ça. C'est net, c'est pas une question de visée, c'est pas une question de précision. Je donnerai tout ce que j'ai. Et je gagnerai l'éclosion. Évidemment. Il va falloir qu'on s'y mette au plus vite. L'entraînement sera éprouvant. Globalement, sur tous les jeux de combat que je regarde, j'en regarde quand même pas mal, il y a toujours des gens qui jouent à la manette et des gens qui jouent au stick. À part les jeux de combat genre Dragon Ball Tenkaichi ou ces trucs-là, quoi. Non, c'est pas Tenkaichi. Ah, c'est lequel où on a une vue à la troisième personne. Enfin bref. Là, effectivement, ces jeux-là, ils jouent uniquement à la manette, mais... Et voilà. Mais après là, c'est plus une question de préférence personnelle, on va dire.
Donc ok, elle apprend les rudiments du truc. Oh, elle est relou à couper les arbres là, ou à faire je sais pas quoi. Ouais, je suis pas d'accord. Enfin, après. Enfin, après, quand on parle de top tier, je sais pas si tu parles de japonais, mais parce que c'est dans leur culture aussi de jouer au stick arcade. Mais je pense que, par exemple, t'as des mecs très forts. Si on parle du niveau français, je suis sûr qu'il y a des mecs très forts à la manette sur baseball. Juste que voilà. Ouah! Ça y est, en un saut, j'ai pris 15 ans. En tout cas, moi je valide. Hein. L'héroïne, c'est une rousse. C'est donc un bon jeu. Voilà. C'est le critère numéro 1. Après, en même temps, les meilleurs, ils sont tous coréens ou japonais. Enfin, pour BlazBlue, c'est des japonais. Mais ouais. Bah après, moi, je suis plutôt joueur de stick. Hein. Et après, il y a des choses que tu peux faire à la manette et que tu peux pas faire au stick, et vice versa. Putain, mais ils font quoi là devant ma fenêtre? Les mecs, ils sont en train de tronçonner quoi devant ma fenêtre. Y a rien en plus devant chez moi, y a trois arbres quoi. Bah, ça sert à rien de s'énerver, Kael, c'est pas. Restez courtois. On a le droit de débattre, hein. Après, je regarde pas beaucoup de compétitions hein, de BlazBlue, mais le peu que j'ai vu, effectivement, c'est plutôt des joueurs stick, mais... Et ouais, je pense qu'il y a des mecs à la manette qui dosent. Hein. Votre lance peut détacher le blindage des machines avec un. Essayez si le mannequin en train de... Ah, on a une lance, d'accord. Pan, 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 voilà, je casse tout. Hein? Je suis pas content. Voilà. Tiens, mais on s'en fout pas un peu de faire ça? Paf! Vous avez vu comment je vise bien? Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sauvegarde rapide. Ah! Très bien ça. C'est les feux de camp, un petit peu comme... Je suis désolé hein, s'il y a du bruit... comment ? Dans le micro, je peux rien y faire quoi. Enfin, c'est horrible. Pourquoi ils font ça ? Alors... Tous les mannequins d'entraînement, oh bah je m'en fous moi, du platine. Voilà, je les casse tous, voilà, je les casse. Tiens. Tiens, voilà, je casse. Et... Il en reste un, non? Un que j'ai pas tapé. Ah oui, j'ai mis une flèche. Genre... Voilà. Ouais, j'ai même pas débloqué de succès. Scandaleux. Ok. Putain, mais quelle idée de faire ça aujourd'hui, quoi. Il fait un froid de chien. Les mecs, ils disent, tiens, on va couper des arbres. Pourquoi il est pas là? Où est-ce qu'il est passé? Vraiment désolé hein. Oh, c'est relou hein. Je suis vraiment navré pour le bruit. Mais du coup là, tu vois, je les ai tous tapés et j'ai pas eu de succès ou quoi. Qu'est-ce qu'ils fabriquent?
On dirait qu'il attend. J'y comprends rien. Ah, ça y est, c'est Assassin's Creed. On y est. Un touche dans tout le jeu, ah d'accord. Aloy, tu es là. Ok, ok, bon bah ça va si le bruit vous dérange pas trop. Moi il me fait un peu halluciner le bruit, mais bon. On va être gentil. Tu veux que je te laisse ? Non. Je dois te parler. J'ai réfléchi à ton entraînement, Aloy. Je t'ai appris à chasser, à survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre ? Bien sûr. Tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon, mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé. Ou tu mourras. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires. Non, mais je sais que c'est chiant. Des flèches de feu. C'est que c'est chiant, quoi, quand il y a du bruit. Je supporte pas ça. Quand tu auras tout trouvé. Et là, ça me rend un peu fou, mais. La porte près du village du cœur de la mer. Mais bon, j'ai pas le choix. Je subis. La porte nord, à la frontière de l'étreinte. Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Du coup, j'ai pas. Il y a autre chose qui te tracasse ? Non, tout va bien. J'ai pas suivi ce qu'il m'avait dit, du coup. Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion ? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria, un invisible. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail, Aloy. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. Je vais chercher les pièces, mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Aloy, cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais-le plein de munitions alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien, on se voit à la porte nord. Ok, alors je présume que je peux monter là-dessus et arriver en bas. Ça peut être ça, hein, l'idée. Ok, bon, on va faire ça. Il y a quelque chose qui le tracasse. Wouhou ! Je vais l'abandonner. Il se trompe. Tomb Raider. Ah, on peut ouvrir la carte. Ah, très bien. Allez. On a vu ça, et j'imagine que tout ça, c'est à découvrir. Non, c'est peut-être que les zones blanches, là. Je sais pas trop. Carnet. Allez. Ah oui, ça c'est les trucs. Très bien. Point de données holographiques. Ouais. Artisanat. Munitions. Ah oui, ça on sait faire les munitions, ça on est fort, on mis. D'accord. Ah, faut les lire pour en débloquer. Alors moi, vous savez, j'aime pas quand il y a des petits points d'exclamation dans les menus. Ah, mais attendez, j'ai les points à utiliser là, non ? Hop, une attaque redoutable sur les ennemis à terre. Ah ouais, j'ai des points à dépenser. On va jouer brave. Hein. Allez, paf, voilà. Je choisis la classe des braves. Hey, salut Malgad! Comment vas-tu? Écoute, ça va. Encore une fois, je vais le dire, mais je suis fatigué. Mais ça va. Un sac de soins plein! Ah merde! Je voulais ramasser des plantes, bordel. Donc a priori, mes objectifs se trouvent à 380 mètres et 700 mètres. Allons voir. On peut sprinter, c'est vrai. Ils sont pas mal ces autochtones, hein. Ils font des petits escaliers avec les cailloux. On a déjà fait la sauvegarde, hein, on sait quoi faire. Jamais aller au-delà de cette vallée. L'éclosion va changer tout ça.
2 jours. 2 jours et j'aurai mes réponses. 2 jours et je saurai d'où je viens. Par contre, le HUD, il est un peu... un peu envahissant, je trouve. Si ça pouvait se justifier. Bon, il faut que je trouve les pièces pour les flèches de feu. D'abord, trouver un troupeau. Alors. Récupérer de la flambée sur les galopeurs. Très bien. Ah, c'est qui, lui? Faut le tuer? Enfin, je vais pas le tuer, je vais lui parler, peut-être. Elle se croit vraiment au-dessus des lois? Oh, d'accord. Il me parle pas. Tiens. Ça lui fait rien. C'est l'arnaque. Attendez, il faut que je... Ah bah non, je peux les fabriquer que par... par 10, donc... Attends. Ah non, c'est là, c'est plus proche, là. Hop. Ouah, c'est Gozo. Cœur de la mer. Et de la mer. Et B. Ah, le week-end, ouais. Il y a un paramètre pour... je vais regarder ça. Ah, très bien. Dynamique, je pense que ça va être ça. Voilà. Ah, merci, merci les anses pour l'info. C'est moi les habillages comme ça. Ah, attendez, il y a un sanglier. Viens par là, mon gros. Alors, attendez, parce que je pourrais lui mettre une flèche dans le fion, mais je suis pas sûr que ça le tue. Normalement, faut viser dans la gorge, hein, pour tuer un sanglier. Sachez-le. Une grande expérience de chasse au sanglier. Alors, ben, je le vois plus. Bon. Il est où? Merde, un lapin. Un lapin, chef. Voilà, le lapin, bon, tu peux tirer n'importe où. Très bien. Un nouveau feu de camp. Bah, il y en a partout, en fait. Et du coup, je dois aller où? Je suis les conseils de mon sensei. Ah non, il m'a vu. Comment ça, il m'a vu? Merde. Attendons un peu. Il scanne les environs. J'ai flippé là quand il a fait sa petite danse chelou. Bon, alors je dois faire quoi? Je dois tuer une bestiole là-bas, non? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est faible ça, en fait. Je flippe là, mais... La merde! Oh, ouais, c'est de la merde, mais pas trop.
Ok. Ouais, si. J'ai plus beaucoup de flèches déjà. Hein. Pour refaire. Hop. Ah. Ok, ok. Il y a un code couleur sur les réactions des ennemis. Très bien. Alors. Ouais, une bobine de dégâts. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je prends. Mais du coup, il manque un truc là. Très clair. Ah, il y en a là-bas. Est-ce que je peux toucher à cette distance? Oh ouais, oh bah si. C'est un vrai arc de sniper en fait. D'ailleurs, quand je tire... What? Tu te crois où toi? Voilà. Et je l'ai prise la flambée des machins là. Allez. R pour sélectionner. Ça. Ah oui, fabriquer. Ah d'accord, oui. D'accord. Ah putain, j'avais pas vu. Ok, ok, ok. Bon, je crois que je viens d'annihiler une espèce, alors que en fait ça fait une demi-heure que j'avais déjà ce qu'il me fallait. On s'en fout. On y va quand même. Allez, berceau de la mer. Bah, une maman qui a besoin d'un berceau, inquiète-toi. Alors. Oh, le changement de météo là, il pend. C'est ça.
Ah, je suis déjà à fond. Ouais, il me faudrait un cheval. Je ne vois personne dans le coin. Je crois que c'est Sandor. Le voilà. Il a l'air nerveux. Tiens, mec. Tiens, tiens, tiens. Une paria devant chez moi. Que la toute mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vue. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite. Ça finit toujours mal. Allô. Est-ce que c'est change de comportement, est-ce que c'est un truc qu'on lui dit à lui, ou est-ce que c'est nous qui allons changer de comportement? On ne sait pas. Ok. Donc je vais faire. Tu avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux? Ça a un prix, les armes spéciales. D'accord. Ça j'ai. J'ai abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir. Ok. Alors, là. Il me faut ça. Donne-moi ça. Il faut que j'appuie. Équiper. Si, mets ça là. Lire la vidéo. Ouah, un lance-câble qui lance des câbles. Et donc. Ah, ça fait des pièges. Ça. Ah, on les effraie et du coup ils vont par là et ah purée, c'est bien ça. Non. Incroyable. Maintenant que tu t'es trouvé un lance-câble, va t'entraîner un peu plus loin, d'accord? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui? On aurait pu croire. On peut savoir pourquoi tu es de si bonne humeur? Après l'éclosion, tu feras partie de la tribu et tu traiteras avec les marchands du cœur de la mer. Peut-être bien que je n'aime pas perdre mes clients. Les marchands qui suivent le règlement et ne vendent pas aux parias? Exactement. Et nos petits arrangements seront du passé tant que tu la boucles. Tu seras là plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose? Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclat, comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion. Tu as peur que je révèle que tu fais affaire avec les parias? J'ai pas l'impression que ce soit ton genre. Mais sait-on jamais? Je te rassure tout de suite, ça restera entre nous. Ah, c'est bien ce que je pensais, mais je suis content de l'entendre. Pourquoi tu prends ce risque, bosser avec les parias? Tu me demandes à chaque fois. Si tu crois que je vais t'expliquer mes motivations profondes, tu rêves. C'est parce que t'en étais un avant, c'est ça? Ouais. Je me suis fait choper à farfouiller dans les ruines de métal au-delà de l'étreinte. Les matriarches ont dit que j'étais souillé, elles m'ont banni pour 5 ans. T'as vu quoi dans les ruines? Rien que je pouvais comprendre. Après le bannissement, j'ai voulu retourner vivre dans le cœur de la mer, mais... tous ceux que je connaissais n'y étaient plus et il y avait trop de monde partout. Je suis bien mieux ici. La seule personne qui est au courant de nos affaires, c'est Rost. Ouais, bon... c'est pas comme s'il allait me dénoncer, de toute façon. C'est le genre à respecter le règlement à la lettre, ton Rost. Comment tu le supportes? Tu ne sais vraiment pas pourquoi il a été banni? Je te l'ai déjà dit, non. Je ne crois pas que quelqu'un le sache. Mais ça devait être grave parce que c'est un bannissement à vie. Il a dû draguer la... la prêtresse, je sais pas quoi. Voilà, c'est pas. C'est quoi ça? Tu seras là plus tard? Ah oui, d'accord, j'ai l'idée. Je pense que c'est tout. Ok. J'ai ce qu'il me faut.
Je peux aller retrouver Rost à la porte nord. Ouais, il faut être niveau 8. Sous les monstres. Voilà, et donc ça marche, mais ah, je peux pas me prendre moi-même dans mon piège. Ah, c'est dommage. Voilà, le piège restera à tout jamais ici. Bon, ramassons des trucs nuls. Quoi ça? Marchand. J'ai étreinte. C'est pas par là. C'est par là, c'est pas par là. Bah oui, mais je sais pas où ils sont les méchants, moi. C'est que je te dise. Ouais, faut que je trouve les méchants. J'ai l'impression que dans ce jeu, on se balade beaucoup. Hein. Impossible d'entrer ici, ça veut dire quoi ça? Pas zoomer? Est-ce qu'on peut plonger dans l'eau? Enfin, sous l'eau. Est-ce qu'il y a un effet mouillé quand on sort de l'eau? Ça, c'est important. On veut le savoir. Ah. Ah, on peut faire ça. Ah, ok. Et remonte. Je me sécherai plus tard. Ouais, un effet mouillé, mais pas très prononcé, quand même. Alors, ah, normalement, c'est par là qu'il y a des méchants. Quoi? Pourquoi ça marche pas?
Pourquoi ils vont pas dans la bonne direction, ces couillons? Oui, niquez-vous. Je suis un peu déçu là. J'avais mis en place un piège incroyable. Et du coup mon piège, bah voilà, c'est mort. En plus il pleut. Voilà. Il est où mon piège? Je vois même plus. Je vois pas 10 mètres, tu sais. Voilà, je vais faire un truc différent. Ça comme ça. Je vais tirer une flèche dans le fion. Comment ça? Mais... Oh, puis merde. Putain, putain. Je crois que je comprendrai jamais comment il joue, il fonctionne ce piège. Ce serait vraiment bien si il me cherchait. On peut faire des pirouettes. Rien, qu'est-ce que tu fais là, toi? Non. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Bon, pas trop le... Là, venez m'attaquer, bande de nazes! Eh bien, viens! Mais pourquoi il est pas... Ah, je comprends rien. C'est le jeu. Ah, puis j'ai plus de soin. Ah, c'est, j'en ai eu un. Voyons. Oh, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh là là. Mais je me trompe de touche. Je peux reprendre le truc, non? Je peux même pas. Ouais, c'est pas clair. Ok, à plus, Cal. Merci d'être passé. Bon bah, du coup, est-ce que j'ai pas une autre quête nulle à faire? Parce que celle-là est vraiment nulle. Ok, bah écoute, passe une bonne journée, Alkel. Merci d'être passé également. Le monde s'en va. Tout le monde est désespéré de voir un skill aussi désespérant. J'ai pas eu là. Putain, mais... Je comprends rien. Viens, viens. Viens, copain.
Oui, il s'enfuit. Ça y est, viens. Viens. Viens, mon gars. Voilà. Ça, c'est bien. Oui, mais non. Mais non, mais je vais mourir. Non, je me trompe de touche. Ah, fallait que je fasse une pirouette. Je change d'arme. Ah, je suis... J'arrête pas... Ouah, mais il fait tout tomber. Je change d'arme. Moi, ça, c'est les plantes médicinales, par contre. Oh, c'est mieux. Voilà. Très bien. Oh, 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 lui, il m'a vu là-bas. Je me barre, je me barre, je me barre. Vite, 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 cours. Cours, cours, cours. De toute façon, est-ce que je peux... Je peux toujours pas fabriquer ça. Merde, y'en a un là. En fait, il n'y a pas tant de plantes médicinales que ça. Hey, salut Flavien, je t'avais pas vu. Comment tu vas? Ça roule? Pas de sortie avec ton drone aujourd'hui? Ah, tu me dirais, le temps est un peu pourri. Je sais pas quelle est leur proie, mais la chasse a l'air rude. Bah si. Que se passe-t-il? Alors, allez, un feu de camp. Tu es là. Est-ce qu'un feu de camp, ça remet la vie? Un feu de camp ne remet pas la vie, donc c'est nul. Approche, je dois te parler. Ouais, mais j'ai pas le temps là, j'ai une mission à faire. J'ai un vrai métier, moi. Putain, mais il y a des feux de camp tout partout, quoi. Hein? Je sais pas si tu connais ce jeu-là, du coup, Flavien. Là, je découvre, hein, du coup. Plutôt sympa pour le moment. Ah, il fait beau là, à part chez vous. Putain, ici, le temps est un peu merdique. Hein. Enfin, un peu, même beaucoup, on peut le dire. Prenons une flèche pour tuer ce renard. Bim! Un vrai sniper avec mon arc, je vous le dis. Voilà, de la viande grasse. Alors ça, par contre, bah du coup... Putain, est-ce que je lui ferais pas ça, lui? Bim! Eh mon gars, je suis là. Hé hé. Va te battre. Attends, je tends un caillou. Il pleut. Peu importe, je suis presque étanche. Presque étanche. Ah, je crois que ça va être la réussite de cette quête. Attention. Le caillou lancé va attirer l'ennemi. Petit, 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 viens ici. Et bim. J'ai réussi la quête nulle. Voilà, très bien. Maintenant on se casse avant de se faire attaquer par je ne sais quoi.
Voilà, c'est Horizon Zero Dawn sur la PS4 du coup. Il me semble que tu m'avais dit que tu avais une PS4, je suis pas sûr mais il me semble. Mais comme tu vois, le jeu est très joli. Encore plus évidemment si t'as une télé HDR 4K mes couilles là. J'ai passé les tests. Ah c'est, on a réussi le test là. Alors si on a réussi le test, allez, allons parler de lui. Tu as les flèches de feu? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit? Alors... J'ai un lance-câble. J'ai vu Karst. Et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme un peu plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. Bon, je ne t'ignorerai jamais. J'y réfléchis. Et je ne t'éviterai pas après l'éclosion, ok? Je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire comme si tu ne m'avais pas élevé. Aloy, la loi interdit tout contact. Je sais, et je m'en fiche. Ici, la loi, c'est moi. Mais les lois tribales n'ont fait que me déposséder, toute ma vie. Mais ça n'arrivera plus. Aloy, je dois me plier au règlement. Et tu t'y plieras. Je savais que tu dirais ça. Mais j'ai une solution. Je viendrai te voir en secret. Personne ne le saura, je ne risquerai rien. Et je sais que tu ne me parleras pas, parce que c'est interdit, mais je te parlerai. C'est moi qui enfreindrai la loi. Toi, tu écouteras. C'est comme ça qu'on fera. Tu... semblais avoir bien réfléchi. Je sais. Par contre, les animations des visages sont assez bizarres. Parce que les visages sont nets, oui, propres. Oui. Et là, ils ont tendance à bouger la tête comme ça, à gauche, à droite, on ne sait pas trop. Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. Voilà, très bien. Donc, je vais me reposer. Tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Ah, faut que j'aille par là. Ah, petite sauvegarde. Hop. Plus rien. Ah bah voilà, il fait nuit, ça y est. Ouah. Moi je sais pas siffler comme ça. Parce que c'est les dreads, ça gratte. J'avoue. Ils ouvrent la porte à une paria. Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Ok, bah écoute, bon courage Flavien, et merci à toi d'être passé. Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache! Qu'est-ce que c'est que cette machine? La tribu les appelle des dents de scie, tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà 10 ans. Je veux bien te croire. Ah bah très bien. Bah, moi ça m'étonnerait que... que je fasse grand chose ce week-end. Un peu la fatigue, mais ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon courage en tout cas pour le boulot. Quel genre de machine peut faire ça? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours.
Ah, c'est quand même magnifique, hein. Ok, c'est reparti pour les embrouilles nulles avec les avec eux là. Je garde ça pour la route. Un pavillon tout entier. Anéanti par des Dantzig. Mais combien ils étaient? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Ok. Stylé. Je peux le vaincre. Ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seul. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste caché. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Je saurais quoi en faire. De touche. Oh merde, attends, comment ça marche? Nique-toi bien. Il m'a bien baisé la gueule. Non, mais je me trompe. Oh putain. Tranquille, le monstre. Ah oh, mais... Paquette. Oh, je m'en fous, je bourre.
Voilà, gratuit. Pourquoi est-ce que je t'ai amené là? Pas pour répondre à mes questions. Alors. La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Bon, ça va, si c'était la plus difficile, ça va. M'a un peu surpris, je veux bien reconnaître. Si les Nora viennent chasser, il faut protéger ça. Si tu n'avais pas détruit ces Dancy, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion, mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. J'ai compris ta dernière leçon, Rost. Vraiment? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore à faire. Oh, c'est-à-dire? Je te retrouverai quand il sera temps. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. Ça sent les embrouilles, cette histoire. Une boîte de récompenses généreuse. Voilà. D'ailleurs, j'ai des. Ouais, j'ai plein d'items, mais. Inventé. Compétences. Ah, j'ai gagné des compétences. Ah, c'est deux points, ça. Ah, très bien. Et est-ce que je peux avoir. Oui, inventaire. La boîte à trésor. On a pris du loot. Tout prendre, hein, évidemment. Pareil, je sais pas trop comment ça marche. Oh mais attendez, je viens de prendre les levels là. Attendez. Ah le coup. Non. Trop bas. Ah, j'ai déjà utilisé les points avant de les avoir en fait. C'est bizarre. C'est très strong. C'est très étrange. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre tenue? Parce que celle-là, je la trouve pas très sexy. Hein. Allez, on va se balader. Pourquoi tu fais ça? Ah. Pas fait un... Rien, encore eux. Est-ce qu'on a des quêtes là qu'on pourrait faire
rien d'autre. Diacticiels aux effets, ok. Ah, ça ralentit le temps quand on fait ça. Okay. Bon, ça va. Lumière rouge. Oh merde. Ah, putain. Il s'énerve. Ah non, c'est lui là qui m'a vu. Je l'avais pas repéré. Waouh, ça fait des dégâts ça. Fait des dégâts au max. De la merde, hein. J'ai clairement fait du caca. Bon, du coup, Élésance, à quoi joues-tu en ce moment? À quel RPG incroyable joues-tu? Il y a une... Fais gaffe, il y a une échelle là. Ça a quelque chose. Ah, oh, mais non, mais téléphone, tais-toi. On peut faire du parcours. Ah, Bloodborne. Ah, ok. Tu vois, je pense pas que c'était ton genre de jeu. J'ai beaucoup aimé Bloodborne. Ouais, d'accord. Pas tomber. Tomber, ça fait mal. Ça fait mal. Nanana. Bon, enfin bref. Belle chanson. Hein. Pas trop de jeux à faire en ce moment. Ah ouais. Bon, c'est un peu l'anarchie, tous les jeux que je fais. Et je dois me soigner, mais j'ai pas de plantes médicinales. Ça parce que je suis tombé. C'est quand même super joli hein, quand tu... Regardez-moi ça, c'est panorama. Ah d'ailleurs, il y a un DLC là, qui est sorti pour ce jeu. Qui a l'air d'être une extension assez conséquente. Enfin, je sais pas ce que ça vaut, mais... Il y avait ça. Allez, je tue le sanglier. Qu'est-ce que vous dites de ça? Pas de place. Comment ça, pas de place? Ben non! Oh là là. Bon bah. J'ai tué un pauvre sanglier pour rien. Autant le dire. Hein. Ah, tu le fais le DLC et il est intéressant ou pas? Là, bah, en fait, si tu veux, j'hésitais à prendre cette version là, qui était à 30 balles, ou la version complète édition qui était à 45 balles, je crois. Bon, je me suis dit, déjà, le jeu, il a l'air assez vaste à faire dans le DLC. Je me suis dit, bon, voilà. Peut-être pas non plus exagéré. Du coup, je sais pas s'il y a un season pass ou si c'est juste un DLC en une fois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Aloy, je dois te parler. Mais attends, avant de me parler, j'aimerais trouver des plantes. Sois tranquille. Je ne te parlerai que quand j'aurai trouvé des plantes. Ah, le DLC de Bloodborne. Ah, ouais, je croyais. Ouais. Ah, bah, Bloodborne, en fait, le DLC, je l'ai, mais je crois que j'ai jamais trouvé comment rentrer dans le DLC. Ou je crois que j'y suis allé un peu par hasard et. Et je sais plus. Enfin, il y a plusieurs parties, je crois, dans le DLC. Et... Là, je... m'a gonflé. Mais j'avais fini le jeu complet. Enfin, le jeu de base, je l'avais fini, quoi, déjà. Quoi. C'est déjà pas si mal. Quoi, la potion rouge, là? J'ai envie d'essayer. Ah ouais, d'accord. C'est une vraie potion. Il y a des potions plus des plantes. Tranche. C'est étrange. Quoi? Ça peut servir. Pourquoi faites-vous cela? Bon, je ramasse un peu de plantes. Oh voilà, je me sens mieux. Je suis en pleine forme. Casse-moi.
Ah, je me souviens plus, ça fait longtemps que je l'ai fait, hein. Tu sais, Bloodborne. Je crois que je l'avais acheté justement quand le DLC était sorti. Ça commence à dater un peu, là. Ouais. Et du coup, j'avais acheté le DLC dans la foulée. En fait, quand j'ai joué avec le DLC de base. Donc, j'ai pas vu les différences, quoi, quand... Je suis prêt. Oui. I'm ready. Je crois. C'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche Tirsa. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions ? Une dernière leçon avant que j'y aille ? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. Tu es sûr qu'ils vont m'accepter ? Ah, non. Je te l'ai dit, Aloy. C'est la loi, l'éclosion s'adresse à tous les enfants parias. Et les vainqueurs deviennent des braves et ne sont plus des parias, je sais. Mais tout le monde ne suit pas les règles comme toi, Rost. Aie confiance, Aloy. La tribu respectera tes droits. Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur ? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mer est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches, le centre des Nora, le joyau des terres sacrées. Sois patiente, tu l'apprécieras. Autant que moi, quand j'étais encore l'un d'eux. Ah tiens, petite info qui peut peut-être intéresser les gens. Alors que là, je joue sur un disque dur externe, en fait, sur la PS4. On se revoit dans quelques jours. Bah, depuis quelques temps, maintenant, on peut installer ces jeux sur un disque dur externe. Je ne serai plus là, Aloy. Tiens, je vais tester. J'avais peur que les jeux soient ralentis, enfin qu'il y ait des problèmes. Et c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression que ça tourne ceci. Aussi bien que sur le disque dur interne. Donc c'est pas mal. Après, ça rallonge peut-être un poil les, j'ai l'impression qu'on ne les temps de chargement, mais... Non. Mais ça va. Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un paria. Mais je te l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop... Ah oui, bah faut avoir un disque dur externe. Je ne me sentais pas isolé. Pour ton bien. Non mais je veux dire... Je dois aller... Une solution intéressante, ça évite d'avoir à changer le disque dur interne de la PS4. C'est un adieu. Pour débarras. Non, je refuse. Tu m'as appris à pister. Où que tu ailles, je te retrouverai. Pas cette fois. Et pourtant... Je te le jure. Et quand je te trouverai, je porterai ça. Que la toute mère te protège, Aloy. En fait, ce qui est étrange, c'est que notre mentor, Rost, pas trop pourquoi il a été banni. Du coup, on sait pas trop pourquoi nous-mêmes on avait été banni du village de base. Il faut que je l'oublie. Pour l'instant. D'abord, l'éclosion. Je suivrai sa piste après. Très énigmatique, hein, ce qui se passe dans ce jeu. Alors, peut-être que. On a eu quelques indices, mais j'ai rien vu de tel. Alors, c'est fou, hein, le jeu, parce que. Je me souviens en fait de ce pont. Je me souviens l'avoir vu lors des présentations du jeu à l'E3, etc. On était là. Waouh, c'est trop beau! La lumière, c'est magnifique! Moi j'étais là, je fais bah ouais, c'est joli, mais. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah ta gueule, c'est trop beau, d'accord. C'est toi qui vois. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites? Brav,
grave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mer t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais Nora sont moins grossiers que ces idiots. Tu es Tirsa? Qui voudrais-tu que je sois? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai, ça? Oh que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... quoi? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karja. Ils sont venus assister à l'éclosion et Dieu que les Nora détestent les Karja. Des Karja? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essaie donc de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette danse nulle? Hey mec, laisse-moi jouer du tambour. Tiens, tiens, moi aussi je fais des percussions, tiens. Bon, ça marche pas. Ah, on est sont contents, hein. Wouh, c'est bête. Wouhou. Très bien. Y a-t-il point des choses cachées dans ce village? Ah, attendez, il y a des gens là-bas qui ont l'air de faire des trucs. Oh là, il y a un truc à ramasser. Caisse de ravitaillement. Salut, vous faites quoi? Une partie de tarot? J'adore ce moment. C'est mieux que l'an dernier. Je vais danser. Ils font ça tout le temps. Ils ont l'air de s'éclater, hein, dans ce village. Wouh! Grosse ambiance. Bon, bah alors, elle avait dit de prendre le chemin à droite, donc du coup, c'est par là. Ah, le petit feu de camp. Évidemment. J'imagine qu'au bout d'un moment, les feux de camp ont... pourraient s'y téléporter. Là, je tape sur les mannequins, évidemment. Il tape sur les bambous et c'est le numéro 1. C'est le... Ouais, c'est quoi ici? Interagir. Ah, je me réchauffe les mains. Incroyable. Une chaleur d'enfer. Non, on a un ami. Ah, c'est... Non, c'est pas lui. Mais on doit parler à un autre ami, mais je ne sais pas qui est-il, que... D'où vient-il? Je ne sais point. Il faut que j'aille vers le cœur de la mer. Et oui, pas au cœur de la mer. Et bonjour, monsieur. Alors, est-ce que c'est toi, mon ami? C'est bien toi, hein? C'est ma tournée. Ah, c'est pas le mec... Aloy, non? Ah, c'est le mec qu'on a sauvé dans la forêt. C'est toi, le vieil ami dont Tirsa m'a parlé? Je te connais pas. Je vois bien que tu me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle... Ou alors c'est le gamin à qui on a acheté un caillou. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. C'est bien le mec qu'on a sauvé. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Ah, très bien. Tu vas pouvoir mettre utile. Viendrai, je t'ai confectionné une tenue, j'espère qu'elle te plaît. Voilà, le mec, il nous confectionne des tenues. Mais rien. Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Le mec, comme ça, tu sais. Il me connaît pas, il me fait une tenue. D'accord. Allez. Merci. Je peux acheter plein de trucs. C'est pas la même qu'on a déjà. Je
Oh, celle-là, elle est stylée. Je peux pas l'acheter, celle-là. Ah non. Ça, par contre, j'ai. Je peux acheter, hein. J'ai plein de choses. Ah ouais, carrément. Bah, j'achète tout. J'achète ça. J'achète ça. J'achète ça, voilà. On s'équipe, équipons-nous. Voilà, très bien. Incroyable. S'en peut pas, s'en peut pas. Ok. Voilà. On dirait que ça a été fait pour toi. Merci, Teb. C'est la première fois que j'ai un habit. Merci, tête de Teb. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages et ses inconvénients. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devras aller voir les matriarches si tu veux trouver Tirsa. Ah, je suis désolé, je baille, mais c'est la fatigue. Je suis vraiment surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. C'est vraiment sacré pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates ou de pierres peut-être. Pas de lance, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. J'ai aucune chance d'avoir un rituel de l'union. Les autres matriarches ont déterré. Donc ok, donc lui c'est le marchand de tenue, très bien. Marchand d'armure, on va dire ça comme ça. Donc on a vu plusieurs types d'armure, hein, des bleus, des vertes. Sans doute comme dans Diablo, il y a plusieurs sets d'équipements complets. Allô. Où doit-on aller? Bon, je visite, hein. N'oubliez pas trop. Quoi? Moi je regarde les waifus qui dansent. Oh là là là, calmez-vous. Ouais, chouette, mais alors, à regarder, elles sont jolies, mais alors, pour le chant. Non, pas du tout. Ah, petite cassette. Oh, je fais la fête avec eux, hein. Je chante. Ah, ça y est, c'est ici qu'il y a une bonne ambiance. Quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire 2 ans que nous sommes en paix avec les Karja. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridian. Ces émissaires Karja sont venus jusqu'à nous sous la bannière de la paix. Oh, ça sent les embrouilles, cette histoire. Ceci est une déclaration de gratitude rédigée de la main même du roi Soleil à Bar. Espèce de misérable ! Hé, hé ! Arrêtez avec vos fruits ! Arrêtez avec vos fruits, fidèle Nora ! Je suis Océram, je ne suis pas Karja, et je vais jouer franc jeu. Le 13e roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier. C'est vrai. C'est un tyran et un monstre. Il faisait des raids dans ma tribu pour ses sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les Karja. Mais cet horrible monstre est mort, il y a de ça 2 ans maintenant. Et qui l'a tué ? Le roi actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais, le suspense, chatty bug. Le message que ce pauvre prêtre essaie de vous lire. Il y a une demande de pardon qui vous vient tout droit du 14e roi. Alors s'il vous plaît,
Faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude. Rédigée de la main même du roi Soleil Avad. 14e luminescence de la lignée radieuse. Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne chauve. C'est pas ce qui se passe. Ça fait toujours des bugs avec le... On est vraiment supposé oublier ce que les Karja ont fait. Dispositif inconnu détecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec le chat YouTube, je sais pas trop. Nous crions avec vous pour qu'ils crions dans l'éclat que les Karja ont fait à notre tribu. Je vous remercie de votre présence. De m'accueillir au sein de l'Église. Je suis d'accord avec la haute matriarche. Je remercie la sagesse de vos aïeuls et l'indulgence de vos mères. Il porte un focus, comme le mien. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus. D'où est-ce que tu le tiens? Hein? Une Nora? Avec un focus? C'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres? Ben, oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Ça marche mal. Olin, tu sympathises avec les autochtones alors? Je reviens. Attends. Non, on se voit plus tard. Je dois y aller. Waouh, je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Hey, toi aussi t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grève de ce moment ou quoi? Il s'appelle Olin? C'est qui? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Bah, c'est juste un parasite qui a des amis haut placés. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal, toi ça te va bien. J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci. J'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Olin? Il t'intéresse tant que ça? Fais gaffe, je vais être jaloux. Eh bien, en fait, il va être sauvage. Il ramasse des trucs dans les ruines et il les vend aux nobles. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine, un type bien. Mais à part ça, il est normal. Je n'avais jamais vu d'armure comme la tienne. Tu n'as jamais vu d'acier d'avant-garde? Alors je t'explique. À notre sécurité, résistance aux impacts, idéal contre les Dansi. Indispensable. Les avant-gardes sont l'élite du Roi Soleil, ses meilleurs assassins et chasseurs de machines. Et tu vois, même une guerrière Nora comme toi ferait mieux de se méfier de nous. Avec tout ce métal qui te ralentit, je suis pas sûr. Ouais, faudrait voir. Mais à mon avis, ça ferait un combat équitable. J'avais une autre question. Comme tu veux. Mais je serai encore là après la bénédiction, on serait plus tranquille. J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant. C'était quoi? Comment ça? Ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas? Tu vivais dans une grotte, tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça? J'ai toujours été une paria. La tribu m'évitait. Oh, ouais, j'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle à mon sens. Et pourtant, même les parias sont au courant du dysfonctionnement des machines, non? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers. Dont ma sœur. Les Nora ont bien combattu, mais... nombreux ont péri. Ta sœur a été enlevée et sacrifiée. C'est horrible. Enlevée, oui. Sacrifiée, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater Arsa.
Elle s'est enfuie pour devenir mon capitaine. Elle dirige toute l'avant-garde. C'est la guerrière préférée du Roi Soleil. Comment elle a survécu ? Ah, oh, c'est une sacrée histoire, ça ne se raconte pas comme ça. Peut-être une autre fois autour d'un verre ou deux. Oh là là, le relou ultime, quoi. Rencontrera. Vous vous entendriez bien, vous êtes toutes les deux très franches. Tu dis que les machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années ? Oui, mais tu le savais déjà, non ? C'est toi qui me l'apprends. Oh, désolé, j'ai cru que t'étais déjà au courant. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Quand un chasseur approchait, elles s'enfuyaient. C'était peut-être dur de les abattre, mais pas dangereux. Du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin. Mais le dysfonctionnement a frappé et là, tout a changé. Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient. Après quelque temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Le moindre déplacement devenait risqué. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore. Plus grosses, plus fortes et lourdement armées. Comme le Dante ? Oui, il y a 10 ans pour lui. Mais tous les 2 ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire. Qu'est-ce qui provoque ces changements ? On l'ignore. Et les machines, elles n'expliquent rien. Les Karjar ont une histoire tellement sanglante. Pourquoi tu les sers aujourd'hui ? Le dernier roi et ses sbires étaient des barbares. Et le nouveau souverain veut la paix. Et ça me convient parfaitement. Et puis les Karjar ne font pas que se battre, ils bâtissent. Regarde Méridian. À côté, n'importe quelle ville a l'air dérisoire et primitive. Et il s'est passé quoi ? Comment ça s'est fini ? Le propre fils du roi démon a réuni les rebelles Karjar et les corsaires au Séram. Ensemble, nous avons fait l'impossible, reprendre Méridian et abattre le souverain gâteux. Aujourd'hui, c'est son fils qui règne, et depuis, tout va beaucoup mieux. Avec Avad, fini les sacrifices et adieu l'esclavage. Toutes les tribus sont les bienvenues à Méridian, même les exilés de Nora. Alors, tu devrais y faire un tour. C'est vraiment grand, Méridian ? C'est comment ? Par où commencer ? Ma tribu possède sans aucun doute les meilleurs forgerons du monde. Personne ne nous surpasse. Mais pour la construction, les Karjar nous surclassent. La cité surplombe un canyon avec plus de ponts que les Nora n'ont de route, et des bâtiments gigantesques. Et de l'autre côté se dresse la flèche. Une lame qui transperce le ciel et reflète le soleil. Il faut absolument que tu vois ça. Disons que je te lance un défi. Ou une invitation. Qui sont les Océram ? Oh, c'est ma tribu. On vient du Nord-Ouest. On a 3 spécialités. S'engueuler, forger de l'acier et la bière. Et les corsaires, c'est quoi ? On était un peu comme des mercenaires, des guerriers à embaucher. Mais bien plus loyaux que des vrais mercenaires. Avad n'aurait jamais renversé son père sans nos armures et notre force. Aujourd'hui, certains d'entre nous constituons sa garde personnelle. Parle-moi encore du dysfonctionnement. Si je comprends bien, il y a... Quand un chasseur s'était mêlé, le dysfonctionne soudain, au moindre... Après quelque temps, et pour... Comme le dent... Oui, il y a... Qu'est-ce qui... En ligne. Hop, j'ai une question à propos... Je t'écoute. Je crois que la... Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais... Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller. De quoi est-ce que tu parles ? Oh, arrête. Si jamais tu viens à Méridian, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction, alors... Ouais. Lucas Poué ! Salut Lucas Poué, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Mais non, mais je skip les dialogues parce que j'avais déjà posé cette question avant, mais je savais plus. J'ai oublié. C'est pour ça que j'ai skippé les dialogues. Mais tu peux revoir tous les dialogues dans la VOD, bien entendu.
VOD disponible pour 2,99€ la minute. En appelant le 06 69 69 69 69. Voilà. Allez. C'est dommage que ce musicien soit pas revenu cette année. Tu sais, celui avec les longs cheveux. Je dois aller à 60 mètres d'ici. Et descendre la côte, a priori. Passé doit rester dans le passé. Il n'y a plus la musique et il n'y a plus les filles qui chantent. C'est nul. J'ai des questions, mais ça va, et toi? Ça va, ça va. Très fatigué, mais ça va. Nous commencerons quand les aspirants auront pris place. Ah, je fais partie des mecs qui doivent se mettre en place, là. Aloy, prends la place qui te revient. Cette lanterne de prière est la tienne. Je l'ai faite pour toi. Pff, blasphème. Mes sœurs. Ah mais. Aspirant. Devant Père Noël, à mon avis, une lanterne de prière. Il ne donnera pas les mêmes réponses que moi. Bien entendu. Ni que cette VOD. Allumez sa flamme. En l'honneur de Rost et de tout ce qu'il a fait pour que je sois là. Oh, toute mère, entends notre prière. Qu'est-ce qu'un enfant sinon l'espoir d'une mère qui prend son envol? Une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent, sillonnant l'azur jusqu'à ce que le temps l'efface. Ainsi, la chaîne de l'amour se transmet de l'un à l'autre. Voilà, Olin. J'ai des questions à lui poser. Tu te rends compte ? Alors, alors, t'as pas des questions pour le compositeur des BO de Rayman Legends, The Origin et Beyond Good and Evil? Là, comme ça, tu me prends à froid, mais... Et sans doute, pourquoi? Tu vas avoir l'occasion de le rencontrer? Je vais parler à Olin. Alors, Olin, hein, ça me rappelle un gars qui s'appelait Olin 111 hein, sur eLive. Je sais pas si... Ouais, c'est maintenant que vous l'ayez connu. Ah, eLife, c'était... Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi? Ça doit être l'époque. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions. C'est bon, t'énerve pas. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus. Où est-ce que tu l'as trouvé exactement? Dans les ruines, au nord de la requête. C'est comme ça qu'on appelle la Terre au Céram. Là-bas... On trouve des filons de métal, des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol, des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne. Tes yeux brillent. C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus, un vestige des anciens. Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi. C'est là que se trouvent tes réponses, pas ici. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué... Comme une grimace. Et à quelle occasion? C'est, enfin, je sais pas, une convention, un truc? Il m'a rien montré du tout. Je te l'ai dit, il a parfois des ratés. Ça arrive tout le temps. Le mien n'a jamais de raté. Et je l'ai depuis mon enfance. C'est que le tien est en meilleur état. Je suis sûr que ces terres regorgent d'artefacts. Puisque les Nora ont peur d'aller s'aventurer dans les ruines. C'est parce qu'ils pensent qu'elles sont maudites. Mais je n'ai pas dit que j'étais d'accord. S'il se méfie du savoir, je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce que tu fais là, Olin? Pourquoi tu es venu? Eren de voulait un éclaireur pour son expédition et un compagnon de beuverie. C'est tout. Histoire d'éviter que le prêtre du soleil se perde. Quand tout sera fini, je retourne illico dans mes ruines, récupérer de la ferraille et dénicher des babioles à vendre. Tu es explorateur? Juste un étranger, fillette.
Faut bien gagner ces éclats. Les miens, je les empoche en me mettant au service du roi. C'est tout. Je ne comprends pas. On a cet appareil en commun. J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'habitude que la tribu m'ignore. Je te pensais différent. Ce n'est pas contre toi. Tu peux me croire. Tu devrais... essayer de t'amuser un peu ce soir. Ce sera dur demain. Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée. Ok. Pourquoi ce sera dur demain? Oh lui, il sait qu'il y a une embrouille dans cette histoire de paix, à mon avis. Ça va être la guerre, je le sens. Ok. Non, bah là en question. Déjà, est-ce qu'on sait si c'est lui qui fera la bande originale de Beyond Good and Evil 2? Là, on travaille dessus. Mais après, c'est vrai que c'est pas forcément des jeux que je connais bien. Enfin. J'ai beaucoup aimé les Rayman. Alors, je sais jamais c'est lequel. Légende ou origine, je crois que c'est légende, hein, celui où il y a les niveaux musicaux justement, qui sont vraiment stylés. Qu'est-ce que t'as dit là? Va donc chercher ton lit, Paria, et rêve de gagner l'éclosion. C'est ton unique chance de voir ta victoire. Oh, parce que c'est le dortoir? Comme c'est toi qui monte la garde, je pensais que c'était les latrines. Toi, ta simple présence est... Tiens donc, qui voilà des terres sauvages? La paria orpheline. Ouais, c'est le relou qui nous avait jeté un caillou. De cette pierre que je t'ai jetée, c'est le plus beau de tous mes souvenirs. Qu'est-ce que tu peux être odieux des fois, Bast? Mais ferme-la. Bien sûr que Bast va l'emporter. Il suffit de. Est-ce que je lui casserai pas sa gueule à lui là? Alors tu dis rien, la paria? Ou c'est que ça. Est-ce que tu vas laisser Bast te parler comme ça? Parce que pas moi. Oh, et t'as même essayé de t'habiller comme une vraie Nora. C'est comme une truc qui aurait mis une robe. Tu comptes me parler tout le temps comme ça? Tout le monde va tout le temps te parler comme ça, paria. Le cœur de la mer, c'est pas un endroit pour toi. Et en plus, tu n'as pas ta place à l'éclosion. Moi, tu vois, par exemple, sur un jeu comme Rayman Legends, avec ses niveaux musicaux, je me posais la question, est-ce que ils ont fait les niveaux en fonction... Enfin, ils ont fait les niveaux en fonction de la musique, ou s'ils ont fait le niveau, et après, ils ont cherché une musique qui correspondait au niveau, tu vois. Ça, c'est une question que je me suis toujours posée quand je jouais à ces niveaux-là. Parce que c'est tellement raccord que tu... Bah, voilà, quoi. Après, ils ont peut-être fait des ajustements en fonction de la musique ou quoi. Tu le sens. Tu sais déjà que tu vas perdre. Je me suis entraîné toute ma vie pour l'éclosion. Tu crois que j'ai peur de toi? J'ai peur de rien du tout. Ah oui? La confiance, ça se tait. Crois-moi. Tu sais, je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice. C'est mon souvenir préféré. Et tu fais bien. Si Rost n'avait pas tiré sur la pierre que j'avais lancée, tu serais borgne. Mais j'imagine que tu gardes cette partie pour quand tu racontes l'histoire. Je t'ai marqué ce jour-là du sceau de la honte. Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendu plus forte. Tu verras. Après, je sais pas si c'est une question que tu voudras poser, mais... Ouais, bien sûr. Allez, tu me fatigues. Il est temps pour Bast d'aller dormir. C'est toi qui seras surprise, paria. Tu me battras pas. Ça, jamais. Oh, tu vas enfin te taire? Ça, ce serait une surprise. Allez. Retourne voir ta mère, hein? Faut me casser les couilles. Bon. Je peux parler à des gens. T'as vraiment bien joué le coup pour Bast. Ça devrait le faire taire. Pour ce soir, en tout cas. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Je suis Aloy. Oh, je sais très bien qui tu es. Tu es mon adversaire. Les autres, ils termineront l'épreuve. Pour la plupart. La victoire, ce sera entre Bast, toi ou moi. Vala. Ravi de te rencontrer, Vala. C'est vrai. Je vais gagner demain.
ne célèbre jamais une victoire avant qu'elle soit acquise, petite. C'est ce que disait ma mère. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller dormir un peu. Je tiens à être en pleine forme afin de pouvoir t'écraser sur le terrain demain. Ouais, c'est ça. Ton lit est là, il n'attend que toi. Ok. Merci. Alors, ce premier jour au cœur de la mer, t'en penses quoi? Tu n'as jamais dormi dans une cabane, Nora. Ce n'est pas très intime. Du confort et des distractions, voilà ce que j'en pense. Tu sais, ça peut être bien le confort. Ça affaiblit le caractère. On croirait entendre ma mère. Tu pourras toujours retourner dans les terres sauvages si tu préfères. En attendant, tu ferais mieux de te reposer. Parce que personne ne veut dormir dans le, sur le même lit qu'elle. Alors que moi, je dirais pas non. Même si c'est un lit, une place, je pense qu'il y aurait moyen. Hein. Ah, c'est la cinématique, je peux peut-être virer ma sale tronche, regardez. Et reflav. Qu'il faut que je fasse pour que tu dégages. Pourquoi? Je vois ce que je dois faire, mais... Tu es un brouteur. Je comprends rien à cette quête nulle. Hein. Ouais, fils de catin. Ton trophée est en pièces, paria. Il va t'en falloir un autre. Déco. Tiens, connard. N'importe quoi. Ensuite. Je dois rattraper mon retard. Rejoindre le départ du sentier de je sais pas quoi. Pousser mais. Et on n'a pas. Ah si, c'est là-bas. Ah par contre il neige, hein. Toujours baiser. C'est la dernière, ma grande. Autant y aller en marchant maintenant. C'est Bastouvala qui va gagner. Mais tu deviendras.
pas une brave, enfin, si tu termines. Attends un peu, là. C'est une très vieille piste. Il y a eu deux morts ici l'an passé. Elle tombe en morceaux. Mieux vaut arriver dernière que repartir les pieds devant. Osef. Et re tout là. Ah, le jeu pour le moment c'est plutôt stylé hein. On est toujours plus ou moins sur une phase tuto hein, parce que c'est le tuto perpétuel hein, c'est les jeux modernes tout ça. Où je vais, mais j'y vais. Allez, hop là! Wouhou! Mais c'est stylé, hein! Donc, j'ai oublié de remettre ma webcam, mais c'est pas grave. Si on peut perdre cette course hein, évidemment c'est sans doute scripté mais dans le doute je vais à fond. Pas question de laisser gagner maintenant. Oh, on aille. Elle peut pas gagner. La paria a triché. Comment une paria pourrait gagner l'éclosion? Impossible. Parce que ce n'est plus une paria, mais une brave. Hey. Tout comme on vous a gagné. À condition de déposer votre trophée sur l'autel. Mais c'est Aloy, jadis paria, désormais brave, qui vous surpasse tous. Ah, ah. Oh, je le savais qu'il allait y avoir une embrouille. Allez, salaud. Empêchez-les de s'enfuir jusqu'à ce que les autres arrivent. Faut pas rester dans le coin. Là, c'est notre issue. On y arrivera pas sous les flèches. Ils tireront moins une fois mort. Essaie de les occuper. Moi, je les contourne. Je suis avec vous. On y va, maintenant. Ils sont trop nombreux. Laissez-moi. Moi faire. Mais non, mais je veux ramasser ce qu'il y a dans cette putain de boîte. Merci. Ouais, bah les autres ils se font des zingués, mais c'est pas grave. Je peux pas monter là? Eh! Ah, ça y est! Chon! C'est qui toi avec ton arc nul? La base! Oh, mais non! Mais j'ai pris les potions! J'étais en train de me soigner! Oh là là là, j'ai pas compris. Merde, y'a un loading quand on vient! L'occasion pour moi d'aller chercher des chips, je reviens. Tuez les profanateurs! Ils sont trop nombreux! On ne peut pas gagner! Ah merde! On a déjà repris, c'est pas grave. On pourra pas les remonter! Les chips, c'était plus important que ma propre vie. Tuez les profanateurs!
Laisse-moi tranquille, je ramasse des herbes. Ah mais attendez, fallait passer là en fait. Là. Voilà, headshot. Voilà. Aux elfes de la vie, le plus important c'est les chips. Tuez-les tous. Je ne peux pas te témoigner. Et pas sur moi. Restez groupés. Oh non, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Ils sont combien? C'est un carnage. Il y en a plein d'autres. Ils sont trop nombreux. Mais non! Mais écoutez, il faut que les chips puissent s'exprimer dans leurs derniers instants de vie. Voilà. Mais il y en a combien? Bon. Oh non, il y en a marre. Il y en a plein d'autres. Mais ils sont... C'est pas facile de viser la tête, hein. Lui, hein. Ils esquivent. Si, on va y arriver. Oh. Oh, le mec, il panique pour rien. Mais non, il s'est baissé. Pas loin. Ils sont trop forts. Ta gueule. Bon. La rouquine doit mourir, ok, ça parle mal. Respectez les rouquines, bon enfoiré. Les mecs, ils ont des gatlings, quoi. Quoi ce peuple? Chez vous, tiens. C'est quoi le problème, bordel?
munitions, c'est pas grave, on s'en fout. Oh, j'aurais dû prendre à boire. Oh merde. Ah, voilà. Il y a Rost qui est venu lui foutre une rouste. Eh oui. Meilleur jeu de mots de la journée. Tuer Rost. Ma vengeance sera terrible. Brûlez tout ça. Remettez-vous au travail. Comme vous voudrez. Quelle bonne idée de la jeter de la falaise. Évidemment, tout le monde fait ça pour protéger ses enfants. Je comprends pas tout ce qui se passe là, mais... Ok. Ils ont dû me trouver avant que je me vide de mon sang. Mais pourquoi y a personne d'autre? Où est-ce que je suis? Ce sont des questions légitimes, j'ai envie de te dire.
Mais peu importe, tu es en vie. Menu non disponible pour le moment. Ah, d'accord, je voulais prendre des points de compétence. Eh bien, niquez-vous bien. Alors. Bonjour, je suis au fond de la grotte. Comme qui dirait au fond du trou. Alors. J'aime bien comme ils ont fait l'animation de ses cheveux et tout. C'est assez stylé. Mes vêtements. Ouf. Mais où est mon focus? Ah, voilà, ok. Mais, je serai dans la montagne sacrée? Mais seuls les matriarches peuvent y entrer. Je vois pas mon arc, ni le focus endommagé. Celui que j'ai pris à ce tueur, où est-ce qu'ils sont? Il faut que je continue à chercher. Normalement, je suis là jusque 13h, après je couperai, parce que je vais bosser. En tout cas, bon app à toi, Tsuna. Ça ressemble aux ruines dans lesquelles j'étais tombée quand j'étais petite. Ce ne sont pas les Nora qui ont bâti cet endroit. Ce sont les anciens. Mais pourquoi? Où je vais, hein, mais j'y vais. Une batterie. À quoi elle peut servir? Très bien, ouvrir le menu quête, mais j'ai pas le droit d'aller au menu, donc GG le tuto. Là, avec toutes mes affaires. Les commandants, arrêtez de creuser et rendez-vous tout de suite au point de mission. Évitez si possible tout contact avec les Nora. Mais si jamais ils vous repèrent, ne laissez aucun témoin. Prenez connaissance de votre cible. Je compte sur vous. Doit y avoir une image. Qui te dit que je suis comme les autres? Ils ont réussi à me voir dans le focus d'Olin. Comment c'est possible? Faites vite alors, je dois entrer. Attention, identiscan. Il faut que tu arrêtes d'écouter Ted et que tu commences à m'écouter moi. Mais d'où est-ce que ça vient? Et de quand? Essayez de me tuer juste parce que je te ressemble. Alors, tu es réveillée? Tu m'as amené ici? Dépêche-toi, il faut que tu me suives. Mais où ça? À l'endroit où tu es venue au monde. Je ne suis pas née dans une rose. Tu es née ici? Incroyable. Au cœur de la montagne?
Je préfère que tu vois toi-même. Too much revelations. Ah, ça y est, je peux... Enfin mettre mes compétences. Ouais, d'accord. Rôle 2, c'est quoi? C'est attaque silencieuse, appuyer sur R1 pour effectuer... Ah bah c'est bien ça! Réflexe du chasseur. Atterrissage silencieux. Armure antique. Et non pas armure en toc, hein, évidemment. Ça n'aurait aucun sens. Pourquoi on m'a amené ici? Nous t'avons cru à l'agonie, et mourir près de sa mère est un droit sacré. Nansra n'était pas d'accord, bien sûr, mais Jeza m'a appuyé. Ma mère est ici? Je vais la rencontrer? C'est un peu compliqué. Suis-moi. Est-ce que ma mère me ressemble, mais avec des cheveux courts? Disons que c'est peu probable. Ce n'est pas une femme qui t'a mise au monde. Tu es née de la montagne. Je... Hein? Mais... Qu'est-ce que tu racontes? Viens. Cet endroit. La chambre sacrée, où la toute mère a vaincu le démon de métal et t'a donné naissance. Aloy, le massacre de l'éclosion n'était que le premier d'une série de désastres. Les guerriers que nous avons envoyés traquer les tueurs ont été piégés et décimés. Mais quel lien avec l'endroit où je suis venue au monde? Eh bien, en fait, j'espère qu'il y en a un. C'est ici que nous t'avons découverte. Nous avons entendu tes appels. Nous sommes venus, et tu étais là. J'étais juste posée là? C'est ça. Alors ça veut dire que je viens de derrière la porte? Effectivement, c'est ce que je pense depuis le premier jour. Que tu nous viens des entrailles de la montagne. Un cadeau offert par la toute mère en personne. Mais ouais, ouais. Il y avait les autres. Lansra, par exemple, qui avait peur qu'une force obscure t'ait envoyé là. Pas un cadeau, une malédiction. Mais ce n'est pas une déesse. Aloy, c'est une porte. Il doit y avoir des gens derrière. Ma mère. Oh, oh. Attention, identiscan. La déesse, elle parle. C'est comme cette femme que j'ai vue. Erreur. Registre alpha corrompu. Confirmation de l'identité impossible. Non, non, non. Accès refusé. Non, non. Toute mère t'a parlé, elle te connaît. Tu n'as pas dû bien entendre. Elle ne m'a pas reconnue. À cause de la corruption,
Ce sont les mots de la déesse. J'en suis sûr. Si tu dissous cette corruption, elle te verra distinctement. Et comment je dois m'y prendre? Tu m'as parlé de vision. D'une femme aux cheveux courts. Oui. Les tueurs sont venus pour moi. Parce que je lui ressemble. Ces gens sont trop puissants pour toi. Tu n'as vraiment pas d'autre solution. Pauline. C'était l'un des visiteurs. Juste avant l'éclosion. C'est par ses yeux que les tueurs m'ont vu. Il vit à Méridian. Tu vas donc devoir quitter les terres sacrées. J'ai été une paria toute ma vie. Je peux être une exilée. Non. Il y a un autre moyen. Viens, on va arranger ça. Tu as dit que la tribu risquait de disparaître. Explique-moi. Après le massacre de l'éclosion, nous avons envoyé une grande escouade à la poursuite des tueurs. Moins de la moitié est revue. Comment ont-ils été vaincus? Les tueurs ne combattent pas seuls. Ils sont capables d'influencer les machines. Ils les corrompent, les rendent folles. Alors ils se sont échappés? Oui. Et la seule chose sur laquelle mes sœurs matriarches ont réussi à se mettre d'accord, c'est de chanter l'hymne de rédemption et d'implorer l'aide de la Toute-Mère. Comme si elles ne voulaient pas qu'on prenne les choses en main. Et donc, quel est ton plan? Ça. C'était ça, mon plan. Te montrer l'endroit où tu étais né et te laisser suivre le chemin que la Toute-Mère te destinait. Les autres hautes matriarches nous attendent. Alors ça y est? Oui. Je lui ai montré. Mes sœurs, la déesse s'est adressée à Aloy. Elle lui a dit de dissoudre la corruption. Mais comment doit-elle s'y prendre? Elle va devoir s'aventurer au-delà de nos terres sacrées. Une chercheuse? Si c'est le vœu de la déesse qu'il en soit ainsi. Vous voulez faire de cette chose une chercheuse? Ma sœur, pour une fois, Lansra, rallie-toi à nous. Ce péché serait le vôtre, pas le mien. Faites-la chercheuse et puisse-t-elle ne jamais remettre les pieds ici. Aloy, par la grâce sacrée de l'unité, nous te consacrons aujourd'hui, chercheuse de la tribu Nora. Aucune barrière ne t'empêchera désormais d'accomplir ta mission. Que la Toute-Mère te protège et te sustente. Sois résolue. Je vais aller me préparer pour l'île. Tous nos espoirs reposent sur toi. Tirsa, qu'est-ce qu'une chercheuse? Tu en es une. Et ceci est ta marque. Dans les cas désespérés, les hautes matriarches peuvent nommer un chercheur. Un valeureux brave envoyé accomplir une mission sacrée. Cet émissaire peut se rendre n'importe où sans contrainte. Même au-delà des frontières des terres sacrées? Oui. Et une fois sa mission achevée, il peut rentrer. Ou plutôt, s'il le faut. Il y a eu d'autres chercheurs? Oui, mais très rarement. Et la plupart d'entre eux ne sont jamais revenus. Est-ce que Rost en était un? Non. Pas un chercheur. Mais... qu'est-ce que tu me caches? Ce n'est pas le moment, Aloy. Peut-être un autre jour. Qu'a-t-on fait du corps de Rost? Malheureusement, il n'en restait plus grand-chose. Mais ses restes ont été ensevelis à l'endroit où il t'a élevé. Et sa tombe a été fleurie. Merci. Vous avez dit que vous avez envoyé des guerriers pour suivre les tueurs? Oui.
Mais ils se sont fait piéger et déborder. Très peu en sont sortis vivants. Et la plupart ont été blessés. On sait où sont les tueurs ? Non. Mais tu peux demander à Varl, un des gardes en faction près des portes de l'étreinte. Il a survécu à l'embuscade. Il sait des choses. Tant de gens ont souffert. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Le plus important, c'est que tu accomplisses le destin que la Toute-Mère a décidé pour toi. Eh oui ! Mais je ne sais pas ce que c'est, et tu ne le sais pas non plus. À toi de le découvrir. Si, toutefois, tu as le sentiment qu'aider la tribu fait partie de ta mission, alors fais-le donc. Je suis certaine que tu trouveras des gens à aider en parcourant l'étreinte. Alors, je peux vraiment aller partout ? Sans restriction ? Y compris dans les lieux interdits, comme les terres souillées loin de la Toute-Mer. Ou dans les ruines de l'âge de métal. Je vois. Pourquoi les ruines de l'âge de métal sont-elles interdites ? Ce sont des lieux malades, Aloy. Funestes et maudits. Comme les enfants du métal, leur créateur. Quand ils se sont rebellés et ont tenté de la tuer, sa colère a peut-être détruit leur ville, mais n'a pu purifier leur péché. Leur malveillance continue de hanter les ruines, prête à prendre au piège les imprudents qui s'y oseraient. Mais je suis entrée dans une ruine. Ça ressemblait à l'intérieur de la Toute-Mer. Ça n'est pas possible. Ça l'est. Eh bien, voilà quelque chose qui dépasse mon entendement. Je compte sur toi pour révéler la vérité. Pourquoi les territoires Nora sont-elles souillées ? N'est-ce pas évident ? Nos terres sont sacrées. Nous vivons sous les yeux de la déesse, la Toute-Mère, source de toute vie. Les terres qu'elle ne peut voir sont impures et viciées, souillées par l'esprit. C'est pour cela que nos lois nous confinent ici. Mais tu as la bénédiction des chercheurs. Bon bah, cassons-nous alors. Je crois qu'il est temps. D'ici, commence par rejoindre les portes de l'étreinte. Parle à Varl. Il t'indiquera le chemin de Méridion. Si des Nora tentent de t'importuner, Aloy, fais-leur savoir que tu es une chercheuse. Oh oui. Merci, Tirsa. Merci pour tout. Que la Toute-Mère te bénisse et te protège. Ah, très bien. Nous allons commencer. Purifiez votre cœur. Bientôt, nous implorerons le pardon pour les péchés qui ont attiré le malheur sur la tribu. Quand nous entendrons les voix qui chantaient tout à l'heure, est-ce que la chorale est au complet ? Ouais, c'est ça, faites des prières, moi je ramasse des trucs. Salut les gars. Ouais, ça a pas l'air d'être la grande forme hein, chez vous. Les vieilles. Ah, une petite caisse de ravitaillement. Bien entendu. Tout est clair et visible sous la pluie. Elle a sauvé beaucoup de vies. La tribu lui doit beaucoup. Alors va parler à Resh. Resh. C'est Resh.
Bon, on est en train de piller tout le village, hein, on est d'accord. Mais c'est pas grave. On a le droit, on est une chercheuse maintenant. J'ai plus de place. J'ai plus de place, mon pote. C'est la toute mère qui a pansé tes blessures. Hop, tais-toi. Avec de soins pleins. Il est en sécurité avec sa grand-mère. Quoi qu'il m'arrive, il sera en sécurité. L'appareil approche. Aloy ! Ignorez-la. Poursuivez le rapport. Deb ? Tu es vivante. De métal qui corrompt les machines. C'est qui me parle? Et il viendrait d'où? On dit qu'il approche. Nous ont cassé la voie. Qui ça? Parlez, c'est ça. Ils sont allés voir. Oh, déesse, je prie que notre île ne parvienne jusqu'à vos oreilles. Pardonnez les Nora. Voilà. Eh, dans le milieu quand même. Il y en a une autre là. Je suis content de te voir en vie. J'avais entendu les rumeurs, mais je n'y croyais pas vraiment avant de t'avoir vu. Et en plus, tu portes la tunique que je t'avais faite. Re-alcool. Qu'est-ce que tu fais là avec un arc et une lance, Teb? La plupart de nos braves sont morts ou blessés à l'œil. Quelqu'un... Je ne risque rien tant que je ne m'avance. Je dois franchir... Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est... Je sais, je n'ai pas le... Va demander à Resh alors, en haut du mur. C'est le nouveau chef de guerre. Pourquoi Resh ne m'aiderait pas? Eh ben... Il dit... Que je suis une malédiction, une paria. Oui. Je ne l'aurais pas choisi pour chef de guerre, mais il paraît qu'elle s'est lancée toute seule à la poursuite des tueurs. Ça se passe, ouais. C'est qui, Sona? C'était notre chef de guerre. Difficilement, parce que je suis fatigué et que j'ai du mal à me concentrer, mais ça se passe. De la mer. Une femme grande, mince, la peau sombre et de longs cheveux blancs. Sa fille participait à l'éclosion, mais... Elle est morte. C'était Vala, sa fille? Ouais, c'est ça. Je l'aimais bien. Moi aussi. Il y a encore du danger dans l'étreinte? Non. Plus maintenant. Tu comprends? Ils sont capables de manipuler les machines. Ils les... Et ces machines corrompues? Certains ont réussi à entrer. Et à ce qu'on m'a dit, c'est encore pire en dehors des limites de l'étreinte. N'y va pas. C'est vraiment beaucoup trop dangereux. Ok. Par contre, à 13h, malheureusement, je devrais couper le stream parce qu'après, bah, je dois aller bosser. Enfin, je commence à 14h, mais bon, le temps d'y aller, tout ça. Ça a convaincu les autres de t'amener à l'intérieur de la toute mer. Ça a fait du bruit. Seuls les matriarches, les survivants, ont raconté à tout le monde comment toi, seul, tu les avais sauvés. Je n'étais pas la seule. Non. Ils ont mentionné Bast et Vala aussi. Et Rost. L'homme qui m'a élevé. Il a combattu pour moi. Et en est mort. Les survivants n'en ont pas parlé. Mais je me souviens de lui. Il était là le jour où tu m'as sauvé. Je me rappelle qu'il s'est mis devant toi quand mon père s'est mis à hurler. Si sa mort t'a sauvé la vie à l'œil, je suis sûr qu'il en est heureux. Ah, Cam Logitech, SC930, comme ça. C'est une C920 de mémoire, la mienne. Il faut que j'y aille. Que la toute mère t'a... Ouais, c'est ça, ouais, que la toute mère m'accompagne. Bien entendu. Ah, bah, je suis à fond. Okay. Hop. Resh.
Ah oui, c'est lui, même pas. Je serais une paria me donner des ordres. Je t'ai remarqué à l'éclosion. Tu as vu Bast détruire mon trophée. Et tu n'as rien fait. Tu oses critiquer un mort ? Bah, je crois que c'est ça que j'ai, moi. Je crois que c'est ça que j'ai. Tu as une flèche dans l'œil. Et tu me menaces ici devant des témoins ? Quand les hautes matriarches apprendront ça, tu redeviendras paria sur le champ. Je sais plus, puis... J'arrive pas à lire la référence... Sur la webcam, mais ouais, ça doit être ça, je crois que j'ai. J'ai été nommée chercheuse. Alors ouvre-moi. Toi ? Une chercheuse ? Tirsa et Jeza sont devenues folles ? Déjà qu'elle te laisse participer à l'éclosion. Mais te soigner à l'intérieur de la montagne sacrée ? Pas étonnant que l'horreur nous poursuive et que nos enfants pourrissent dans des tombeaux de pierre. Si tu penses que Tirsa et Jeza sont des traîtres, pourquoi tu vas pas leur dire en face ? Ou est-ce que tu sais seulement critiquer dans le dos des gens ? Je suis le chef de guerre, Nora ! Et je suis une chercheuse, alors fais ce que je dis et ouvre les portes. Dégage donc de nos terres, je préfère. Bagarre ! Par contre, c'est très bizarre, hein. En fait, les ennemis de ce jeu, enfin, c'est des espèces de machines moches. Pas trop pourquoi... Pourquoi ces machines, quoi. Le démon. Ok, d'accord. Il m'énerve lui, j'ai envie de lui tirer une flèche entre les deux yeux et on n'en parle plus quoi. Je dois me mettre en place. Je suis redescendu. Ah, ça y est, d'accord. Pourquoi je perds de la vie? Pourquoi je perds de la vie? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est une espèce de truc nul sur eux. Aïe, ça fait mal ça. C'est l'arbitre. Est-ce que c'est vraiment un coup légal? C'est bon. On n'avait pas l'impression.
ça lui fait rien ça. Rien. Bonne idée. Ah si si ça l'a immobilisé. Bah ça l'a immobilisé mais que dalle quoi en fait. Mon cul ouais. Mon cul sur la commode. Alors. Ouais. De tourner en rond. Ah, plus de munitions, vite. Faut en refabriquer. Mais niquez-vous! Ah, j'ai plus de potions machin, normal. Bon, ça, tant pis. Il est mort! Il est mort, le soleil! La deuxième vague de tueurs pendant l'éclosion. Il y en avait un comme ça avec eux. Ils contrôlent l'esprit des autres machines. Comment tu as fait? Montre-moi. Tu les as forcés à t'obéir. Mais comment? Voilà. Tu t'es servi de ça. Et oui, bien entendu. Elle le regarde comme ça et elle le sait déjà. Je peux l'utiliser? Ça vaut le coup d'essayer. Je vais le fixer juste là. Voilà, ça devrait tenir. Faut juste faire un test. Aloy. Voilà. Comment tu as fait ça? Tu as tué ce démon? Et arracher ses entrailles? Sa capacité à contrôler les machines. Je crois que j'ai compris. Mais il faut le tester sur une machine. Il y a des galopeurs près du chemin qui mènent aux portes de l'étreinte, je crois. Parfait. En plus, c'est justement aux portes que je me rends. Il faut que je parle à Varl. J'ai toujours su que tu étais différente à l'œil, mais... Mais quoi? Je pense que tu es un don de la Toute-Mère. Resh peut dire ce qu'il veut. Merci, Teb. Bon, faut que j'y aille. Oui, je sais. Merci, tête de Teb. Et je te souhaite bonne chance. Oh là là. On sent que lui... Il nous aime, hein. C'est déjà plein. Bon, je prends tout ce que je peux trouver, hein. Alors lui, on sait pas trop ce qu'il fait, regardez. Quel est son but dans la vie? Je pense que c'est un héritier de Michael Jackson, finalement. Bordel. C'est drôle de choses, des fois, le jeu. Bon alors, on avait un souci pour se faire ouvrir la porte. Bon, a priori là la porte n'existe plus, donc tout va bien. Il faut que je parle à Varl, si tu parles. Par là a priori. Il faut que je teste ce dispositif pour savoir. Ah non, faut que j'aille tester. Mais non mais je voulais parler à un certain Varl. Il est où? L'échelle en fait. Attends, il y avait une échelle pour monter, mais. Comme ça. La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires. Ouais, mais regardez! Continue! Mec! Une seule de ces créatures a été infernale. Il y en a encore beaucoup d'autres.
Hey, salut Noro. Ah, malheureusement, t'arrives vers la fin du stream. Il reste encore un petit quart d'heure. Et voilà. Bon, bah, je ne trouve pas le fameux VAR là, mais on s'en fout, ouais. L'objectif de ma quête, c'est d'aller par là. Alors, j'y vais. C'est lui, VAR. Non? Non, c'est un marche nul. Ramassons les petits cailloux. Et non, c'est pas la fin. Bah si, c'est la fin dans un quart d'heure. Parle. Quelqu'un parlait, mais je sais pas qui. Ah, je vois une quête annexe. Allons-y. Un peu là. Oh. C'est beaucoup trop haut. Comment vais-je faire? Un presque. Plus rien. Je t'entends, mais je suis pas Bram. Ah bah voilà, c'est bon. Il y avait justement de quoi monter. Et salut toi. T'as besoin d'aide? C'est toi qui as survécu à l'éclosion? Oui, j'ai besoin d'aide. Il y a 10 ans, mon frère a été banni. Sa peine est terminée, mais il n'est pas rentré. Son campement est désert et souillé de sang. C'est pas de chance, ça. Alors, pourquoi quel est le crime de ton frère? Brom a toujours été différent. Un peu bizarre. Ah, bah les gens bizarres, hein. On les bannit. Les chasseurs étaient cruels et l'embêtaient tout le temps. Je me suis absentée 1 heure. Le chasseur est venu le tourmenter, mais cette fois-là, Brom s'est rebellé et lui a fendu le crâne avec une pierre. Ah bah oui. Les esprits le lui. Un mec totalement, totalement équilibré. Les murmures des oubliés. Ça lui a coûté 10 ans. Je n'aurais jamais dû le laisser seul. Bon, allez, je vais chercher ton frère. C'est vrai. Laisse-moi t'accompagner. J'irai plus vite toute seule. D'accord, je comprends. Ouais, c'est ça. Si on le trouve, voilà, ça fera toujours une quête de fête. Yeah. Incroyable, mais quelle blesse. Oh, je pas les mots. J'arrive pas à descendre. Il y a un moment où il faut que je descende de ça. Voilà, ça y est. Non, non, je suis remonté. Voilà. J'arrive pas à prendre des trucs. Bon, c'est pas grave. On va dire que tout est normal. Ah. Plus de place. Plus de place. Alors là, notre but évidemment est de tester notre nouvelle compétence. Ça peut nous permettre de... D'ailleurs, est-ce que j'ai pas des nouveaux points de compétence? Bah si, j'ai 2 points de compétence. Coriste. Piratage offensif. Appel de monture, ah voilà, la monture c'est vachement loin. Faut que je fasse ça là-bas. Ah. Ah, évidemment. Des galopeurs, je vais tester le dispositif de piratage sur eux. Il vaut mieux que je me fasse discrète, j'ai pas très envie de finir piétinée par... Doucement. Ramasse des plantes. Allez, allez. Ça a marché. Il n'est plus hostile. On dirait qu'il est apprivoisé. Je devrais pouvoir. Et voilà. Brave bête.
C'est presque ça. Ya ! Ya ! Ya ! Avant ! D'accord. Il est rapide, ce galopeur. C'est mieux que marcher. Je confirme, c'est mieux que marcher. Enfin. Je devrais essayer de pirater d'autres machines. Je pourrais pas toutes les chevaucher, mais je leur trouverais bien une utilité. Ah, si je maintiens... Ah oui, si je maintiens, ça va. Je suppose. Ah bah voilà, c'est lui que je voulais voir. Où est-ce que tu étais sur ce galopeur quand tu as franchi la porte? En effet, c'est une longue histoire. J'imagine, oui. Quelle drôle d'époque. Pour ceux qui ont survécu. Bien sûr que je te reconnais. Aloy, la paria qui a remporté l'éclosion. Content de voir que tu as survécu à tes blessures. La haute matriarche Tirsa dit que tu connais la route de Méridian. La capitale de l'Hélium Garja? Mais, dis-moi, tu cherches à t'exiler? Non. Un traître du nom d'Olin. Les matriarches m'ont nommé chercheuse pour que je le retrouve. Alors, tu dois aller jusqu'à la couronne de la mer au nord. Si tu y parviens, parle à Maréa, elle te renseignera. Compris. Oh, en gros, une tribu ennemie depuis le massacre a décimé nos compagnons. Les frontières ne sont plus surveillées. Et nous sommes à la recherche d'un certain Olin. De chef de guerre. Ce n'est pas censé être Resh. Et a priori, c'est plus ou moins responsable de ce qui s'est passé, mais on ne sait pas trop. C'est pas clair. Il m'a ordonné de garder cette porte au péril de ma vie. Alors c'est ce que je fais. Oh non, tous ces événements, évidemment, notre mentor Rolst est mort. Et nous, en fait, depuis le début, on était considérés comme une paria. Je ferai mieux. Et bref. Aloy, avant de partir vers la couronne de la mer et... Maintenant, une fois qu'on est revenu au village, et ben voilà. De retrouver Sona. La tribu a besoin d'elle. Évidemment, c'est quand on est revenu au village que tout est arrivé. Elle m'a ordonné de rester ici, coûte que coûte. Où a-t-elle disparu? Là où nos guerriers ont été massacrés. Oh, pour encore que je cherche quelqu'un. Sur la rive opposée à la soif du démon. Tu parviendras peut-être à retrouver sa trace. Elle a poursuivi les assassins qui ont attaqué l'éclosion. Qui ont tué nos proches, qui ont essayé de te tuer et... Je comprends, Varl. Je verrai ce que je peux faire. Ouais, vas-y, abrège. il est où mon canasson? Ah. Ah non, mais j'avais un cheval... cheval incroyable. Oh là là. Pas prendre ça. Que la déesse te protège. Que la déesse me protège, bien entendu. C'est ça, Noro, tu as tout compris. Je l'ai passé dans les... J'ai dit, il y a une rousse en héroïne, donc c'est bon jeu. Plus dangereux aussi. Ah, voilà, il y a encore une monture là. Je vais aller pirater cette monture. Ah oui, dans ce jeu, les ennemis sont en réalité des... Et comment dire, une espèce de petits robots, voilà, comme Nono, petit robot, pareil. Hop. Ah, une petite quête verte. Oui. Mon gars, t'arrives? Ah. Je descends pour te parler. Oh d'accord. Tout va bien, chasseur. Tu étais avec le groupe guerrier tombé dans l'embuscade? Pas exactement. Et je suis pas chasseur, ni un brave. Je suis rien, en fait. Tu devrais même pas me parler. Eh bien, qui que tu sois, tu es blessé. Explique-moi.
Je m'appelle Crane. J'ai voulu tenter les épreuves de la zone de chasse sur les hauteurs, tu comprends, pour m'entraîner. Et ça s'est pas bien passé. Pardon. Pourquoi tu disais que tu n'étais rien ? J'ai volé un arc, d'accord ? Et on m'a banni. C'était avant l'éclosion. Du coup, j'ai même pas le droit de défendre ma tribu qui est à... Je dois vivre dans les terres sauvages, tout seul. C'est pour ça que je voulais m'entraîner. Je me demande si c'est pas un exilé. Apparemment, il en a rien à faire des lois. J'ai l'impression que tu as pas mal de problèmes. Si... Non. Non. Ça va aller. Mon père disait toujours que la... D'accord. C'est quoi ? D'accord. Et les mecs avec des problèmes, voilà, je les évite. Sachez-le. D'ailleurs, sachez-le, hein, vous-même dans votre vie, pour rencontrer trop de gars avec des problèmes, à un moment, il faut leur dire d'aller se faire voir. Quand même, par contre, c'est quand même beau. Hein. Pas dire le contraire. Alors je l'ai testé avec le HDR et tout le bordel. C'est juste fou. Bon, on doit aller dans cette direction, allons-y. Le jeu nous dit qu'on doit y aller, on y va. Bon, monsieur. Ah, il y a un marchand. J'arrive pas à m'arrêter. Ah, je vais être top pour s'arrêter maintenant. Ah, c'est ça. Ah. T'avais pas trouvé le frein du jeu. Quoi, HDR, oh, c'est une nouvelle télé du futur. Alors lui, il vend des armes. Il vend des tenues. Ouah, il a des tenues violettes. Ouah, elle est stylée celle-là. Ah ouais. Celle-là elle est bien. Oh, Et bon, il faut du cuir de galopeur, des réceptacles métalliques et 800 francs. On n'a pas tout ça, par contre on a ça, on peut avoir ça. Bien ça, non? Oh, ça c'est mieux. Ah ouais, mais il me faut une lentille de brouteur, j'ai pas de lentille de brouteur. Ça c'est plus joli que ça. D'accord. Voilà. Tant pis, hein. Alors, au niveau des armes, faut acheter des nouvelles armes, apparemment. Des frondes, un crotal, je sais pas ce que c'est une arbalète, a priori. Ça, par exemple, je pourrais presque acheter ça. Genre, l'arc du chasseur. Oh, c'est pas rien, ça. La turquoise, laquelle ? Laquelle la turquoise ? Celle-là là ? Turquoise aussi. C'est turquoise dans la vie. Celle-là est dégueulasse. Celle-là est... ouais, dégueulasse. Non, en fait, c'est les casques que j'aime pas. Non, je peux pas, j'ai pas... Y'a que celle-là que je pourrais faire. Éventuellement. Celle-là là ? Ah ouais. Acheter des pièges, des munitions. Chose, hein. Est-ce qu'on veut voir ? Alors, on peut aussi acheter... voilà, des loot box. Hein. Ça c'est... Ouais, il y a des cartes. Cartes des métal et des fleurs de métal. Carte de botaniste. Salut. Ajoute des points sur la carte indiquant les emplacements potentiels des fleurs en métal. Statuette Baluk. Carte primitive étranger. Ajoute des points sur la carte indiquant les emplacements potentiels d'œuvres d'art Baluk. Je sais pas ce que c'est. Carte réceptacle antique. Carte des...
Eh bien, très bien. Bon, écoutez, il est 13h. Il est 13h, on va sauvegarder. Faire une sauvegarde manuelle, carrément. Ah, sauvegarde manuelle, apparemment, c'est... PS4, elle aime pas trop. Nouvelle sauvegarde. Mais en elfe, fait pas ça. J'avoue, puis elle est pas très jolie. Donc, bref, 13h. Bah, l'heure des braves, hein, évidemment. Varla dit que je trouverai des machines à chasser de l'autre côté de la rivière. Du coup, bah voilà. Bon jeu. J'espère que... voilà, que le stream vous aura plu. Alors moi, j'ai bien aimé le jeu, pour le moment. Et bon, on verra par la suite hein, ce que ça va donner. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est plutôt... plutôt pas mal. Mais du coup... voilà, traître à ta patrie. Et non, c'est bon. Je travaille pour ma patrie, bordel. Voilà. Enfin bref. Donc apparemment, il y a une New Game Plus. Ah bon. Paramètres, c'est vrai que j'ai pas trop regardé. On peut mettre le jeu en quelle langue? Deutsch, English. Ah, ça, ouais, y a pas japonais. Nul. Voilà. Ah, attendez! On peut retirer le devoir le casque. Ça, c'est bien. Bon, on va le laisser, mais... Bref! Oh, bah ça, c'est possible, hein, Noro, tu sais bien. Et donc, du coup, bah, passez une bonne après-midi. J'allais dire une bonne soirée. Moi. Je suis vraiment fatigué, hein, je suis vraiment pas bien. Une bonne après-midi. Et puis voilà. Bah à bientôt. De toute façon, je pense que ce week-end je vais pas mal streamer. Voilà. Allez, bye bye tout le monde. Parce que je sais que je te préviens. je sais. Attention à toi. Oula. J'ai peur. Et en plus.